Voilà, bonsoir, bienvenue à bord les gens. Alors, ce soir. Oh, j'ai oublié la musique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la musique? Peut-être que le disque musical n'est pas branché. Où est-il? Ah oui, il n'est pas là. Où je le ramène, j'arrive. Ben oui, si tu viens bien de lire. Bonsoir, Dr. Wack. Bonsoir, bonsoir, Suze. Bonsoir, les gens. Bonsoir, Simon. Donc, comme vous pouvez le lire, effectivement, Gaël est mutique depuis hier. Il est donc injoignable. On peut en déduire qu'il va très mal, mais bon, comme l'annonce a été faite de cela et je voulais pas vous abandonner dans le désert, donc on va faire un petit live tranquille d'une autre nature. Tant pis, au pied levé, j'ai. On va parler d'autres choses, c'est des articles passionnants quoi. Je pensais bien vous lire un de ces quatre, mais bon, les amateurs de nos dialogues vont être déçus. Et je vous en voudrais pas si vous nous quittez, c'est pas grave, je pourrais pas vous en vouloir. Vous, comment? Ah, je ne suis pas en train d'enlever le bon truc. Voilà, hop, Tu as mis de la hop. chicorée ou c'est que de l'eau? C'est que de l'eau chaude là dans la thermos. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Tu pouvais partir. Oui. Évidemment, dit comme ça. Vous avez entendu Agnès? Qui pouvait partir. Non, c'est pas du tout ça. Mais oui, Gaël va pas bien. J'en suis vraiment désolé. Je viens de l'apprendre. Excusez-moi. Hier encore, on causait ensemble du live de ce soir, puis ça lui semblait tout à fait possible. Enfin, je lui ai demandé s'il était prêt, etc. Ouais. Et voilà. Aujourd'hui, enfin, depuis hier soir, visiblement. Bref, j'en suis vraiment désolé. Salut Antalpis, tu arrives, t'apprends la mauvaise nouvelle, Tourgaël. Oui, tu venais de l'apprendre. Tu mettras vite là, ta discussion, votre discussion sur l'historiographie en ligne. Ah oui, très bien. Très bien. J'en suis ravi. Parce que moi, je peux jamais vous suivre en live, donc c'est toujours en podcast que je vous vois de toute façon. Bah ouais, tout le monde est désolé. Ah, j'ai oublié de me prendre un cendrier. Est-ce qu'il y en a un qui traîne, Agnès? Quoi? Un des ramequins qui sert de cendrier. Donc je vais faire d'abord ça en début de live. Je vais essentiellement être un transmetteur de mauvaises nouvelles, vous annoncer tout simplement qu'il n'est pas là. Donc accueillir les gens et vous faire part de ce qu'on va aborder ensemble, hein, c'est-à-dire quelque chose d'autre. Ce ne sera pas la Bretagne et les moutons que je me réserve évidemment pour les lives avec Gaël. Alors vous noterez que ce soir, j'ai essayé la moustache et je suis pas du tout sûr de mon truc. Hein. Je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Je me demande encore. Je sais pas. Dis-tu non? Hein? Toi, tu dis que non. Agnès pense que non. Moi, je sais pas. Je sais pas. Alors, la chose la plus troublante, c'est qu'évidemment, je ressemble étonnamment à mon père avec cette moustache et c'est ultra zarbi pour moi. Bah bon. Voilà. J'espère que j'aurai vite des nouvelles de Gaël et puis j'espère surtout que cette absence de lui-même, ce retranchement de lui-même hein, ne durera pas trop. Salut, my name is Métos. Comment vas-tu? Alors par contre pour les digressions, salut JF from Berlin, comment vas-tu? Si, ça va la moustache. Je me demandais, hein, vraiment, j'étais pas sûr. Hein. On verra si on me fait des remarques, je comprendrai. Je vous en voudrais pas. 9 secondes et on va commencer. Donc ce qu'on va pas pouvoir faire déjà, c'est digresser. Enfin, je me vois mal digresser tout seul, hein. Ce serait assez ridicule. Alors,
c'en est fini pour déjà l'attente. Donc ça, c'est déjà une chose. Voyons aussi pour la musique, c'est rétabli ou pas. Oui, ça va, elle est partie. Voilà, il y avait un petit problème de disque dur. Salut Claire. Bon, mais j'espère que ce pauvre Gaël, six moustaches, ça fait monsieur loyal. Hein. Je ne sais pas si c'est une bonne raison pour la garder. Je me demande même si ce n'est pas à charge, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, Agnès? Ah bon, moi, de toute façon... Oui, toi, de toute façon, tu n'es pas très... Pas très moustache. Alors donc, comme vous l'avez compris, ce soir, Gaël ne sera pas avec nous. J'en suis vraiment désolé. J'espère que rapidement il ira bien. C'est quelque chose que je ne vais pas cesser de rappeler, puisque quand vont arriver peu à peu les gens qui ont l'habitude de venir nous écouter, qu'ils diront bonsoir, ils n'auront peut-être pas remarqué le changement d'intitulé du live. Et du coup, il y a des chances que vous m'entendiez répéter régulièrement... Gaël n'est pas là ce soir, nous sommes désolés, nous avons changé de programme et patati et patata, donc ne m'en veuillez pas trop si je radote un brin. Donc c'est mardi, je ne vais pas non plus... Je vais sacrifier au petit cigare du mardi, car c'est le bon plaisir du mardi. Oui, je vais... J'ai une revue dont je vous parle très régulièrement avec enthousiasme, parce que je l'aimais beaucoup, je l'aime toujours. C'est la revue les cahiers de création industrielle, qu'on a, la revue Traverse de Beaubourg, du centre Georges Pompidou, qui, pendant des décennies, ont produit des sommes thématiques sur des sujets passionnants, généralement des sujets anthropologiques très très simples, enfin, les énoncés sont très simples, mais avec une ouverture extrêmement large qui permettait à tous les rédacteurs et rédactrices de dériver assez généreusement. Donc ça pouvait être la mort, la cérémonie, le Japon, l'obscénité, etc., etc., le secret. Et c'est une revue qui était exceptionnelle. J'en ai choisi un exemplaire que j'aime beaucoup. C'est le numéro 43 qui est consacré à la ponctuation, qui s'appelle « Le génie de la ponctuation ». Et je ne sais pas si je l'ai dit, Suze, mais Gaël n'est pas parmi nous ce soir, car il ne va pas bien. J'en suis vraiment désolé. Donc je change de programme, ce ne sera pas Bretagne, Bretonnité... c'était quoi ce soir? C'est Bagad et Troisième Reich, je crois. Non, je suis désolé. Donc, la revue Traverse, qui a duré pendant pas mal d'années, il y a eu une reprise à un moment, à partir du numéro 46, je crois, Les Machines. La deuxième équipe était assez médiocre, donc ça n'a pas duré très longtemps, ça n'a pas du tout convaincu les habitués de la revue Traverse, de l'intérêt de cette nouvelle mouture. Et moi-même, je m'en suis débarrassé, je ne les ai pas conservés, c'était assez nul. Résultat, on a 47 numéros, je crois, une revue assez extraordinaire. Alors, comme Agnès vient de se plonger dans l'obscurité pour regarder sa série, je vais mettre une deuxième petite lampe pour éclairer mes bouquins. J'y arrive. Sinon, je vais me retirer. Voilà. Très bien. Ce sera parfait. Avec ça, je pourrai voir les pages du livre. Ah, ça nous plonge dans une ambiance assez... Là, il faudrait que je vous lise des récits d'horreur, là, hein, avec cette lumière. Ce serait beaucoup plus adapté. Alors, on retrouvait des gens, des rédacteurs réguliers, notamment Virilio, Baudrillard, à l'époque où Baudrillard n'avait pas encore... Beauvrier, et puis tout un tas de gens qui faisaient que passer, qui faisaient un article par-ci par-là. J'ai été très influencé dans ma lecture de la revue Traverse par leur façon de considérer l'usage de l'iconographie. D'une part, d'un point de vue plastique, la revue était très belle. Mais aussi, d'un point de vue critique. C'est-à-dire que l'iconographie dans la revue Traverse a une vraie valeur significative, critique. Salut à toi, Yokiz. Bienvenue. Content de te revoir déjà. C'est agréable. J'en déduis que ça t'a plu, le travail sur Eagle.
Ça me fait très plaisir. On mettra pas de point final au calembour sur la ponctuation. Ben là, je pense que vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie. On peut certainement tirer un trait sur un stream sans jeu de mots. Je vois que la ponctuation, ça vous inspire déjà. Ben, c'est la moindre des choses sur un tel sujet. Donc la revue est donc assez richement illustrée. Et là où elle a un angle critique d'apparition, c'est que son articulation au texte est finalement assez peu illustrative. Alors, de temps en temps, quand le texte fait appel de façon directe à la nécessité d'un éclaircissement par un schéma, alors il y en a un qui vient s'afficher sur la page, mais la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Dans la revue Traverse, les images pouvaient sembler jaillir de nulle part, avoir qu'un très très faible rapport, assez lointain avec le sujet de l'article. Et pour autant, ça produisait évidemment du sens, car c'est ainsi que nous fonctionnons, nous, les êtres humains, en présence de manifestations sensibles, notamment visibles, cohabitant avec des énoncés, et bien nous produisons du sens. Ce qui fait que vous pouvez foutre à peu près n'importe quelle légende sous n'importe quelle photo. Nous trouverons du sens à cette cohabitation. La tentation du jeu de mots nous apostrophe. On peut pas s'empêcher de ponctuer ce stream de calembour. What voilà. An incredible calembour. Là, je le mets vraiment pour la collectivité, hein, parce que là, vous n'arrêtez pas, c'est magnifique. Voilà. Je n'en salue pas un, mais vraiment le bouquet. Et cette façon de considérer l'illustration, de supposer qu'elle n'est pas nécessairement illustrative d'un texte, mais qu'à partir de là, elle va le féconder et ouvrir de façon polysémique, finalement, la présence du texte et ce qu'il dit, ce qu'il discute. Ça n'a jamais changé ma façon de construire une revue, de produire même des images pour accompagner des textes à titre personnel. Impossible de mettre votre élan pour les calembours entre parenthèses. Je ne vais pas vous suivre. Je vous laisse dans une certaine suspension collective. Moi, je vais m'occuper juste de la lecture des textes. Je vous en ai choisi deux. Un court et un long. Le court pourrait nous servir d'ouverture. Qui est plutôt anecdotique et amusant, mais bien rédigé, et je pense qu'il peut vous mettre en appétit. Et le suivant, bah, qui est un retour aux sources, c'est-à-dire qui raconte simplement l'histoire de la ponctuation. Qui part aux sources, c'est dans mes souvenirs, c'est un texte que j'ai pas relu depuis 30 ans. Là, je suis allé le chercher là-haut, j'avais lu et écrit là-dessus quand j'étais à la période de La Parole Vaine. C'était une revue littéraire qu'on avait montrée avec quelques amis au milieu des années 80, au début des années 90. 91. Où j'avais acquis ce numéro, Le génie de la ponctuation, j'ai écrit dessus, et puis depuis, bah, il a rejoint ma bibliothèque, puis je l'ai oublié. Bah, du coup, ça va me remettre en selle pour, pour ce problème de la ponctuation. Parce que quand je suis confronté à des manuscrits, souvent, bon, je vous parle des enlumineurs, je vous parle de la façon dont, de façon, on va dire, décisive, le livre est accompagné de tout un jeu de paratextes illustratifs. Mais après, il y a ce que vivent les livres dans les bibliothèques du manuscrit. Ben, ils vont être commentés. Ils vont être grattés, palimpsestés. Dans les livres s'écrivent plein d'autres livres. Ça, c'est comme ça qu'ont vécu les livres à travers les siècles dans les bibliothèques des manuscrits. Les livres sont devenus des nichoirs à conversation et à dépliement interne. Et la ponctuation, d'une certaine manière, est née un peu dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dès la bibliothèque d'Alexandrie, dans mes souvenirs, je crois que c'est Zénodote d'Éphèse, mais justement, là, si on revient au texte, peut-être qu'il nous le dira. Il a fallu, comme vient de le dire Antalpis, il a fallu foutre un peu d'ordre dans tout ça. Je ne sais pas si vous êtes lecteur de la Torah, mais la Torah, dans sa version massive et originaire, elle n'est pas seulement sur voyelle. Bon, ça, vous le savez, l'hébreu est une langue consonantique, mais elle est aussi sans ponctuation.
Alors, on a pris le soin, dans des versions ultérieures, de l'accompagner d'inflexions indicatives pour vocaliser l'hébreu, donc des séries de points qui accompagnent la graphie. Et puis, dans les textes, dans les usages des manuscrits eux-mêmes, on prend l'habitude aussi de marquer au minimum quelques ponctuations. Donc, vous pouvez imaginer que dans tel cas de figure, les premiers signes de ponctuation ont d'abord été des signes de séparation, de distinction, de discernement, de discrimination du texte, et pas seulement, comme vient de le faire remarquer Antalpis, des signes censés lever des ambiguïtés. Parce qu'évidemment, l'absence de ponctuation, dans l'exemple qu'il donne, on mange les enfants à table, si on ne met pas de ponctuation du tout, évidemment, on est un peu... c'est un texte très ambigu, d'un seul coup. Le premier texte que je vais vous lire, je crois, parle de ça. Il parle de l'ambiguïté, quand précisément... Enfin, j'ai repris le truc à la dernière minute, parce qu'évidemment, lorsque j'ai appris que Gaël ne pourrait pas être des nôtres, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur lire ce soir? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir aller chercher comme bouquin dans la bibliothèque? Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous lire, mais qui nécessitent de ma part un certain travail préparatoire. La suite du travail sur l'esthétique de Pergnola, ça ne va pas se faire comme ça. Il va falloir que je bosse un peu. La suite des Jardins de la Connaissance avec Gladys, parce qu'on a fait que les 6 premières heures, il en faudra largement autant. Ça, du gros cerveau. Donc ça, je ne peux pas le faire comme ça au pied levé. Il y a beaucoup de choses que je dois reprendre, notamment puisque c'est complexe. Enfin, l'histoire de la figure du jardin à travers dans toute l'iconographie... est une histoire extrêmement complexe, changeante, extrêmement polysémique, donc on ne peut pas faire ça par-dessus la jambe, même si, bon, Gaël n'est pas des nôtres, que faire, qu'est-ce que je vais leur lire, et je dis, la revue Traverse, c'est pas mal, voilà, ça est tout à fait quelque chose que je peux redécouvrir avec vous, finalement. Donc j'espère que ça vous ira, et que ça vous plaira. Je crois me souvenir, donc c'est pour ça que je dis je crois me souvenir, parce que je dis peut-être des conneries, mais c'est les titres qui m'ont rappelé quelque chose. Je me suis dit, ah oui, ça devait être celui-là, ça devait être ce texte-là. Donc j'espère que je ne me suis pas gouré, que j'ai pris les bons textes. Il y a la ponctuation pressée de l'écriture qui est assez intéressante. Je crois que c'est l'écriture au sens... comment littéraire du terme, comment elle installe une espèce de paradigme de la distinction. Donc ça pourrait être assez ennuyeux, parce que dans mes souvenirs, c'est un angle vraiment de sémioticien, quoi. Donc ça peut être assez chiant. Éloge de la ponctuation, je crois que c'est un petit texte assez banal. Il y a un texte de Jacques Demarque sur Cummings, donc un poète américain assez génial que Demarque a traduit. Donc c'est un peu lui qui nous a rendu Cummings en français, mais sans pouvoir vous montrer les poèmes de Cummings à l'écran, je pense que ça perd de son intérêt, car il y a vraiment une masse sensible et visuelle de la ponctuation chez Cummings que une seule lecture ne suffirait pas à vous rendre perceptible, intelligible. Ensuite, il y a Des points de Tolède, c'est un texte sur la traduction. Je ne pense pas que là, vu sa courtesse, il soit très intéressant de vous le lire. Donc, à mon avis, les deux premiers que je vous ai choisis vont être les plus à même de vous rendre, de vous donner envie, j'espère, de découvrir la revue Traverse et d'essayer d'en choper partout où vous les trouverez dans les bouquineries. Voilà. Donc, gros cerveau, tu l'as compris, Gaël n'est pas des nôtres ce soir. Il ne va pas bien du tout. J'espère qu'on va vite avoir des bonnes nouvelles de sa part. Mais du coup, eh bien, nous voilà condamnés à n'avoir que moi. Voilà, vous allez composer avec. Vous allez composer avec votre déception. Cette magnifique peinture de fond, ce tableau avec une espèce d'artichaut volant évidé et ce breton de pacotille. Je l'ai fait avec une intelligence artificielle. Je crois que je l'ai fait avec Dream Studio, celle-là. Alors, on va commencer par la ponctuation. Un point, ce n'est pas tout.
on reconnaît tout de suite un homme de jugement à l'usage qu'il fait du point et virgule. Qu'il fait du point et virgule, donc à l'époque, le point et virgule, c'est le point et virgule. Effectivement, tous ceux qui, et celles qui se livrent à l'écriture fictionnelle savent à quel point le point et virgule est un allié précieux pour instiller de la subtilité dans l'organisation d'un texte, pour y amener des moments d'ambiguïté aussi dans les liens qui peuvent s'établir entre différents termes d'un texte. Et comment le point-virgule est finalement assez difficile à manipuler avec finesse. Et si ça vous intéresse, ces questions, il y a un bouquin nécessaire dans toute bibliothèque d'écrivains ou d'écrivaines, qui est le traité d'orthotypographie française, qui s'appelle Traité de la ponctuation, je crois, française, de Jacques Drillon. D-R-I-2-L-O-N, qui non seulement vous donne avec une très grande rigueur, une très grande précision, les fondamentaux pour l'usage de tous les signes de ponctuation, mais qui est également très très riche d'exemples. Okay, Drillon a une culture contemporaine, enfin qui lui est contemporaine, le texte date un petit peu, il a un texte des années 60, je crois, ou 70. Donc il va pêcher dans la littérature qui lui est contemporaine, mais vous y croiserez des gens comme Bataille. Enfin, il y a vraiment Michaud, il y a un choix littéraire assez dense pour illustrer les usages de la ponctuation, à la fois les usages orthotypographiques les plus normés, et puis les quelques libertés que certains auteurs, certaines autrices prennent avec eux pour les amener ailleurs, pour enrichir leur usage. Alors, j'avais compris comment me servir du point-virgule. Je sens que tu vas apprendre des trucs. Bah, c'est pas forcément moi qui voudrais l'apprendre ce soir, à moins que vous vouliez que dans la foulée, on lise l'article point-virgule de Jacques Drillon. Et dans ce cas-là, on pourra vraiment, d'un point de vue technique, savoir avec exactitude comment utiliser un point-virgule. Tu peux déjà déduire d'un signe important, le fait qu'il ne soit pas suivi d'une majuscule, quelque chose dans le mode de lien qu'il entretient. C'est-à-dire qu'il est un signe effectivement ambigu en soi, enfin, il combine plusieurs signes, pas simplement le point et la virgule, mais d'un point de vue visuel et interpellatif, et aussi du coup, d'un point de vue sémantique, il crée, entre le terme qu'il précède et les suivants, un lien d'éclaircissement, un lien de causalité. Il y a quelque chose dans le point et virgule qui, de ce point de vue, singe le côté éclatant et démonstratif du deux points. Qui dit « ce qui suit, je vous le prépare, je vous l'ai préparé je sais, il y a un côté rideau dans le double point, mais un peu trop théâtral. Le point-virgule n'est pas du tout de cet ordre-là. Il perd cette théâtralité au profit d'une vision plus intellectuelle, finalement, des rapports de causalité. Donc c'est assez intéressant de travailler avec lui, notamment pour, quand je parlais d'ambiguïté, pour produire un moment de flottement, une légère suspension entre les deux termes qui fait se demander à quel endroit on va trouver la nature de ce lien. Comment on va le créer? Il y a un appel fait à la lecture même d'une recherche de ce lien. Il y a une sorte d'inévidence qu'il porte. Alors pourquoi point virgule et pas virgule point? Pourquoi on le lit de haut en bas et pas de bas en haut? Je ne sais pas, peut-être parce que notre écriture elle-même se lit ligne à ligne de haut en bas. Peut-être que si notre écriture se lisait depuis le bas de la page jusqu'en haut, on l'appellerait un virgule point. Plus simplement. Donc le point virgule n'arrête pas vraiment le mouvement. Il ouvre à une certaine perspective. Mais d'un autre côté, il oblige à un moment de rétention de l'esprit. Voilà. Alors, tu aimes, toi, le nom anglais du point-virgule qui s'appelle un semi-colon. Qui indique, en effet, effectivement, qu'il fait un peu chier, mais pas trop. D'accord. Il y a un autre article, si je me souviens bien, dans
dans ce numéro 43 de la revue Traverse qui est consacré à la ponctuation chez Proust. Et s'il y a bien quelqu'un qui a, je dirais, fait exploser l'usage du point-virgule pour lui donner toute sa signification, il y a vraiment un immense savoir-faire du point-virgule, c'est bien Proust. On reconnaît tout de suite un homme de jugement à l'usage qui fait du point et virgule, a écrit Monterland dans ses carnets. Nous nous permettons d'élargir cette opinion. Deux points. Ouverture démonstrative, coup de théâtre. La ponctuation en son ensemble, virgule, reflète, exprime la subtilité. Trois petits points. Ou le manque de finesse d'un individu. Là, par exemple, l'usage des trois petits points à l'intérieur d'une phrase, c'est à éviter comme la peste. Personne qui ménage son petit effet, qui fait comme une bourrade dans les côtes pour vous dire tout de suite après, pada, patatatata, petit effet de surprise. C'est vraiment l'image de la, comment on pourrait dire ça, d'une espèce de collégialité artificielle, bourgeoise, créée pour bien mettre son lecteur ou sa lectrice dans la situation où on va faire un minuscule coup de force ensemble, quelque chose qu'Umberto Eco appelait la révolution avec l'aide des gendarmes. Voilà. Alors s'il y a bien quelqu'un qui sait de quoi on parle, si on parle de semi-colon, c'est bien Marcel Proust. Celle-là s'use, je ne la valide pas. C'est très mal. Vraiment. Alors quand il dit la révolution avec les gendarmes, il disait la révolution en demandant l'aide des gendarmes. L'autorisation des gendarmes, bien entendu. Parce que c'est mieux, effectivement, si on veut qu'elle amène à son terme, à un certain moment, que ceux-ci rejoignent les révolutionnaires, ce qu'il ferait bien d'entendre en ce moment, à mon avis. Alors, l'auteur de la recherche du temps PQ... Oh bah non, non, Talpice, non. 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 Comme Berthier et nous-mêmes le disions dans Le Français écorché... Alors, c'est Jean-Pierre Collignon qui écrit... Je sais pas qui est Jean-Pierre Collignon. Hein. Comme j'ai sauté sur ses bouquins avant de vous recevoir, je sais pas qui il est. J'ai pas fait de recherche pour préparer ce live. Ne m'en veuillez pas. C'est rare hein, que je fasse ça à ce point par-dessus la jambe, mais c'est juste pour qu'on passe un petit moment ensemble pour essayer de penser à autre chose que la douleur dans laquelle nous plonge l'absence d'un Gaël dont nous savons tous ensemble qu'il ne va pas bien. Alors on va essayer de malgré tout passer un petit moment ensemble, pas trop triste. Mais du coup, j'ai rien préparé. Ne m'en veuillez pas. Donc je ne sais pas qui est Jean-Pierre Collignon. Et donc, il parle de Berthier, avec qui il a écrit chez Belin Le Français écorché. Je ne peux pas vous en dire plus. Ce qui veut dire que ce petit goujat se cite, puisque là il dit « Nous l'écrivions et le lisions avec Berthier ». Il ouvre les guillemets, donc il se cite, ce que je trouve particulièrement goujat. De nombreuses personnes s'étonnent ou esquissent un sourire narquois lorsqu'on leur dit qu'une ponctuation négligente, excessive ou omise, entraîne des fautes de syntaxe, la modification non négligeable du sens du propos et, pis, des quiproquos et contresens. Donc, comme il le dit lui-même, il écrit ça en 1987, et croyez-moi sur parole, j'étais déjà un grand garçon en 1987, la langue que parlent ces gens était déjà incroyablement surannée à cette époque. Hein. Voilà, je préfère que vous le sachiez, n'imaginez pas que... C'est sous cette forme hein, qu'on écrivait nécessairement en 1987. On a déjà affaire à des très vieux messieurs à ce moment-là. Pourtant, que d'absurdités de textes rendus désopilants ou grotesques à travers la presse et l'édition déchaînée du fait d'une ponctuation défectueuse. Là, par exemple, il y a un point d'exclamation auquel il a accolé trois points de suspension. Moi, je me suis souvent demandé quand on faisait ça... C'est-à-dire quand le point d'exclamation ouvrait à l'espèce de caractère un peu évasif d'une phrase, enfin d'un inachèvement, si on intégrait aux trois points de suspension celui du point d'exclamation ou pas. Bah, eux, ils ont décidé que non. Bon, on peut supposer, puisqu'ils ont l'air penchés sur l'orthodoxie avec une certaine exagération même. Bon, s'ils le font, ça doit être ça. Et toi aussi, en 87, t'étais une grande fille, tu mesurais bien 80 cm de long, en levant les bras. Ah oui, c'était déjà pas mal. Histoire ou récit authentique, peu importe. Les exemples qui suivent démontrent déjà, de façon péremptoire,
les altérations, les trahisons apportées par l'absence ou le déplacement de la ponctuation. Les latins y allaient de leur petite fable démonstrative. Le héros en est le grand Alexandre, et cela se passe en 323 avant Jésus-Christ, année qui sera fatale à l'illustre conquérant. Alexandre, donc, consulte l'oracle. Reviendra-t-il sain et sauf de la campagne qu'il entend mener ? L'oracle, chuté, formule une réponse volontairement ambiguë. Qu'est-ce qu'il dit ? Ibis redibis non morieris, sans ponctuation. Ibis redibis non morieris. Très bien, se dit Alexandre. Lui, il lit ibis point redibis point non morieris, c'est-à-dire tu iras, tu reviendras, tu ne mourras pas. Hélas, disaient les latins, a posteriori, c'est quand même plus facile hein, pour la démonstration. Il aurait fallu comprendre peut-être ibis, point, redibis, point d'interrogation, non, de point, morieris. Ce qui signifie, tu iras. Reviendras-tu ? Non, tu mourras. Évidemment, un exemple un peu tiré par les cheveux, puisqu'il faut quand même beaucoup trafiquer cette phrase pour passer d'un sens à l'autre. Mais dans l'absence totale de ponctuation, beaucoup de choses sont imaginables. L'oracle les a laissés se dépatouiller avec l'articulation du sens dans cette phrase. Nous avons mentionné, dans notre petit traité de ponctuation, l'origine supposée du proverbe « Pour un point, Martin perdit son âme ». Alors, il y a une petite illustration à gauche. C'est quoi ? Ah oui, c'est des cahiers de bâtons, chiffres, lettres. C'est un bouquin de Queneau, ça. Pour mes souvenirs, c'est pas mal du tout, bâtons, chiffres, lettres. Alors, s'il faut écrire la phrase pour comprendre le ton de la personne qui la prononce, on n'est pas sorti. Hein. Là. L'oracle a formulé, j'imagine... en écrivant dans le sable, parce que l'ambiguïté soit maintenue, il faut que lui-même n'y mette aucune sorte d'inflexion. Et celle-ci, dès qu'on parle, elle apparaît. Notamment parce qu'on doit y placer une interrogation pour retrousser le sens. Ça paraît assez compliqué. Alors, je ne fais pas de grec, j'en ai jamais fait. Je ne sais pas jusqu'à quel point ces choses-là sont notées en grec, enfin, si, en grec classique, si c'était l'usage de bien faire ressortir l'interrogation ou l'affirmation par des inflexions particulières. Mais là, pour passer d'un sens à l'autre, évidemment, à l'oral, on entend le passage. Si les latins écrivaient en français, ce serait déjà plus simple à comprendre. Donc nous avons mentionné dans notre petit traité de ponctuation l'origine supposée du proverbe « Pour un point, Martin perdit son âne ». C'est une variante de « Faute d'un point, Martin perdit son âne ». Selon Pierre Larousse, ce proverbe se dit « Quand il a manqué fort peu de choses à quelqu'un pour gagner une partie de jeu ou pour réussir dans une affaire ». Ça, c'est ce que l'expression signifie. Mais d'où elle vient ? Sur quoi elle repose ? Pourquoi pour un point ? Est-ce que ça veut juste dire pour un détail ou c'est autre chose ? Donc c'est une opinion qui est partagée par Littré, qui donne une explication à peu près identique à celle-ci. Certains auteurs situent cette histoire à Asello, en Italie. D'autres citent Sozanne, également en Italie, ou bien Alna, qui n'est pas du tout en Italie, mais en Belgique par ailleurs. Si on en croit les premiers... la version donc italienne, un abbé Martin, qui était titulaire de l'abbaye d'Asello, qui en soi il y a un calembour, puisque Asello, on entend que c'est tiré du latin Asellus, petit âne, qui est diminutif de Asinus, l'âne. Donc titulaire de l'abbaye d'Asello, près de Rome, qui aurait chargé un ouvrier de graver ou de dessiner sur le frontispice une inscription, l'inscription suivante que voici. Porta, virgule, patens esto, point. Nulli claudaris honesto.
Donc c'est une inscription plutôt agréable, plutôt urbaine, plutôt civile, plutôt accueillante, hein, parce qu'elle dit porta, virgule, porte, patens esto, soit ou reste ouverte. Nulli claudaris honesto, ne sois fermé à aucun honnête homme. Sympa. Mais voilà. Par ignorance ou par inattention. L'artisan plaça le premier point, pas après esto, mais après nulli. Ce qui se lit, porta, virgule, patens esto nulli, point, claudaris honesto. Et là, c'est plus aussi sympa. L'inscription devient plus hostile aux gens qui passent, c'est-à-dire porte ne reste ouverte pour personne. Porta patens esto nulli. Soit fermé à l'honnête homme. Claudaris honesto. Nulli, pardon. Autant pour moi. Porta ne reste ouverte pour personne. Porta patens esto nulli claudaris honesto. Soit fermé à l'honnête homme. Donc le pape, dans l'histoire, serait alors venu à Azello, donc le bled, hein, au cours d'une promenade. Il aurait été un peu indigné par cette fort peu charitable et peu chrétienne invitation à passer son chemin. Donc il a privé Martin tout de suite sur le champ de son abbaye. Il a perdu son abbaye pour un point. Le successeur du malheureux abbé, dès son installation, s'empressa de faire rectifier la ponctuation assassine et il a fait ajouter le texte suivant. Uno solo puncto caruit Martinus Azello, c'est-à-dire pour un seul point, Martin perdu Azello. Donc ne perdu pas son âne, mais il a perdu Azello. Alors une variante est parfois donnée, uno pro puncto caruit, dont le sens est à peu près le même sens. Un point manque, et voilà. Dans une autre version, donc la version attachée à l'autre ville, à la ville de Sausanne, est-ce que les panards font point point ? What an incredible calembour ! Je ne sais pas pourquoi j'ai déclenché, mais je suis plus fort que moi, c'est une honte. Vous avez commencé sur des choses plus fines. Hein. Je sens, vous tendez quand même à aller vers là. Le très lourd, ça promet comme fin. Donc dans la version attachée à Sausanne, il est dit qu'un abbé de cette ville, nommé Martin, était en procès avec un autre ecclésiastique qui lui disputait son abbaye. Le pauvre Martin aurait perdu le procès parce que dans l'acte de cession, un point omis aurait déformé le texte à son désavantage. En Italie, ce proverbe est parfois cité sous une autre forme dont le sens recoupe les autres formulations du proverbe. Pour un point, Martin perdit sa chape et non son âne. C'est une déformation populaire peut-être de la version Azello qui est enfantée. Pour un poil, Martin perdit son âne. Pour un poil, Martin. L'histoire dérive et finit par ne plus vouloir dire grand-chose. Bon, autre histoire. Quittons Martin, son âne et son poing. Un seul point vous manque et tout est dépeuplé. Autant suspend ton vol et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. C'est dans le même poème, ça ? Autant suspend ton vol. Je ne sais pas pourquoi, j'ai des petites bulles de mémoire qui pètent à la surface de ma tête. Mais peut-être que je suis en train de lier deux poèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Je digresse, pardon. Autre histoire qu'on peut situer en 1987. La famille Dupont. Là, on sent qu'on va être moins dans l'anecdote historique avec fort alibi culturel. Hein. La famille Dupont, en 87, avait confié pour quelque temps son chien, le cocker Zébulon, à des amis. D'accord. Ben c'est pas que ce soit plus ou moins crédible que le cocker s'appelle Zébulon. Après tout, Martin et son âne, au fond, n'apportent une vague garantie d'authenticité parce que l'histoire est vieille. Donc forcément, d'un seul coup, puisque ça jaillit du couloir des siècles, on se dit « ouais, oui, quand même ». Il y a le poids et la profondeur d'une histoire étayée par le temps, mais à mon avis, c'est une histoire à la Dupont et Zébulon également. Donc 15 jours plus tard, télégramme des 10 amis à la famille Dupont. Chien mange pas, symptôme rage. Alors là, chien mange pas, point, symptôme rage, point. Donc là, pleurs et lamentations, mais je crois que vous la voyez venir, celle-là elle est quand même un peu plus simple.
Les Dupont adorent Zébulon et ils partent immédiatement chercher leur chien afin de le ramener à Paris pour le montrer au meilleur vétérinaire de la capitale. Un cocker resplendissant de santé, des amis stupéfaits voient donc arriver les Dupont anxieux. On s'explique, les amis avaient voulu faire savoir aux Dupont que tout allait bien et que Zébulon n'était nullement affecté par l'épidémie de rage annoncée par la presse locale. Pardon. Donc vous l'avez compris, les rares ponctuations, c'était ça, la base du quiproquo. Les amis voulaient dire « chien mange, point, pas symptôme rage ». Voilà. Alors... je suppose que pour les plus jeunes d'entre vous, tout ceci n'a pas beaucoup de sens, parce que l'usage du télégramme a quasiment, voire complètement disparu. Il n'y a aucune raison que ça perdure, à ma connaissance. Mais dites-vous juste que ce système de communication, qui est bien antérieur au téléphone, mais qui existait encore, hein, quand j'étais môme, on envoyait encore des téléphones, des télégrammes pour des commissions urgentes. Recevoir un télégramme était toujours plutôt mauvais signe, notamment quand on en recevait de l'administration. C'est un moyen de communication extrêmement coûteux, donc on essayait de raccourcir le texte au maximum. On faisait sauter toutes les articulations quand on envoyait un télégramme. Donc cette façon d'écrire « chien mange pas, symptôme rage » n'est pas aberrante pour un télégramme. Qui veut tuer Dupont, accuse Zébulon d'avoir la rage. Très drôle. Latin et Milou, s'il y a un chien, propose Simon. Allez, on continue dans les conneries. Le 27 septembre 1923, Charles Maurras écrivait dans l'Action française, donc les références de notre rédacteur sont déjà un peu curieuses, mais enfin bon, je pense que j'ai pas besoin de vous dire qui est Maurras. Samba, virgule, disait Joseph Caillaux, virgule, n'a pas de bon sens. Le 29 du même mois, sous le titre « La coquille modèle », Maurras rectifiait. Un lecteur aux yeux aigus me signale la coquille des coquilles dans mon article de jeudi, colonne 4, à la fin de la note 2. Samba, virgule, disait Joseph Caillaux, virgule, n'a pas de bon sens, qui a été écrit au lieu de « Samba disait, deux points, Joseph Caillaux n'a pas de bon sens ». Voilà, donc je ne sais pas. Marcel Samba, pour moi, hélas, ce n'est plus grand monde, c'est juste... un bonhomme que je vois apparaître au nom sur des plaques de rue, et je ne me souviens pas qui sont ces gens, Samba et Joseph Caillaux. Ouais, tu as raison, Suze, on peut ne pas parler de bretonnité et de Troisième Reich, on voit quand même qu'on croise la route de Maurras, si c'est pas malheureux. Quel manque de bol. Alors, voilà qui montre aussi la négligence de l'auteur dans la rédaction de son manuscrit ou dans la lecture des épreuves de son article, car le problème réside surtout dans le manque de rigueur en ce qui concerne l'emploi des guillemets. La ponctuation simple et logique était la suivante. Ouvrez les guillemets, Samba disait, deux points, ouvrez les guillemets, Joseph Caillaux n'a pas de bon sens, fermez les guillemets. Donc là, ils n'y étaient pas hein, dans la graphie de Maurras. Nécessaire et suffisante, elle n'exige pas le passage du caractère romain au caractère italique. Parce que là, il a choisi, ce qui est une possibilité quand vous faites une citation, soit le placement entre guillemets, soit dans certains cas de figure, en italique. Et le fait d'avoir choisi l'italique a produit la possibilité de cette coquille. Voilà, il faut que vous sachiez quand même à l'époque comment ça se passe, sinon tout ça va être obscur pour vous. Ah merde, qui s'est éteint lui. Jusqu'à assez tard, hein, c'est-à-dire jusque dans les années 90, hein, on envoyait, c'est-à-dire en gros jusqu'à ce que vous rédigiez vos manuscrits ou tapuscrits, avant l'invention d'un ordinateur, et ben, pour signifier... À l'éditeur, que vous étiez en petite capitale, en Grèce ou en italique, vous aviez des séries de codes, de soulignements, pardon, qui disaient quelque chose à, donc, dans mes souvenirs, c'est deux tirets, enfin un tiret italique, deux tirets Grèce, trois tirets petite capitale. Je crois que c'est ça. Donc, parce qu'évidemment, les machines à écrire ne faisaient pas ça. Les manuscrits
pouviez essayer de singer des italiques, mais à mon avis, c'est pas ce qu'on faisait. On avait, pour être vraiment rendre un manuscrit intelligible, il fallait souligner ça sur le manuscrit, et on faisait pareil sur les tapuscrits, puisque les machines ne produisaient pas d'italique. Donc, dans le cas de figure qu'on donne ici en 1923, vous doutez bien que pour signifier à l'éditeur qu'il fallait des italiques, il fallait souligner le manuscrit. Alors, Marcel Samba, ça s'écrit avec un T à la fin, Suze. Donc, si vous avez le courage... Enfin, je crois que c'est Marcel, dans mes souvenirs. Tout ça parce que j'ai vu son nom sur des plaques de rue, mais je ne sais plus qui c'était. Si vous cherchez, peut-être vous pourrez me dire ça. C'est pour savoir si on est dans la capitale, en Grèce ou en Italie. Suze. Il est vrai que la façon de présenter clairement les dialogues, les citations, est méconnue de la plupart des gens. Parce que ces notions élémentaires d'orthographe sont ignorées des manuels scolaires, généralement, et peu connues des enseignants. Passons sous silence les signes de la ponctuation dite expressive. Donc, point d'interrogation, point d'exclamation, point de suspension. Leur utilisation répond à un besoin plus ou moins fort de souligner l'argumentation, de renforcer un effet de style ou de renforcer une saillie. Donc une saillie, un moment marquant de l'esprit, un trait d'esprit ou quelque chose comme ça. Une saillie. Un fait plus important, plus ironique. Ça. Mais ils sont très rarement une source de malentendus. Le point-virgule dit aussi, mais de plus en plus rarement, le point-et-virgule. Bon, vous noterez qu'à au moment où Monterland a écrit, puisque c'est ça qu'on avait dans l'envoi, on disait encore point-et-virgule, est un signe que, curieusement, des auteurs onis boycottent. Pourtant, il se révèle utile pour équilibrer de longues phrases qui comportent de nombreuses virgules, pour compartimenter les énumérations, pour séparer des propositions, dont l'une comprend une ellipse. Vous voyez les guillemets, avec ce que nous savons, virgule, on pourrait faire un livre, point virgule, avec ce que nous ignorons, virgule, une bibliothèque, point d'exclamation. Le point virgule ne présente pas de gros dangers pour un scripteur inattentif, du moins la plupart du temps. Car voici un exemple où un vulgaire point virgule, ayant supplanté malhonnêtement une brave virgule, introduit un grave contresens dans un texte consacré à l'histoire du Japon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Vaclavitz, mais Vaclavitz, c'est un type qui s'est intéressé aux théories de la communication dans les années 60-70. Et Vaclavitz a pas mal écrit sur les dangers que pouvait représenter quand on ne faisait pas assez attention à certains détails, une certaine exactitude, une certaine rectitude dans la traduction et aussi également dans la ponctuation, les dangers que ça représentait dans les relations internationales. Donc il s'était amusé à lister des cas de figure où des gros troubles diplomatiques étaient nés de petites erreurs de traduction et de ponctuation. Vaclavitz, ça s'écrit V-A-T-Z-L-A-W-I-C-K. C'est plutôt marrant. Voilà. Ça vous détendrait, je pense. Le journal, le point virgule. Parlant du Mikado, donc le Mikado, c'est un terme pour l'empereur du Japon. Hein. Parlant du Mikado, le journaliste écrit, à moins que ce soit le photocompositeur hein, qui aurait joué ce vilain tour, la personne qui a mis en forme le texte pour l'impression, il écrit « Qui est cet homme ?» dont le quotidien communiste Akahata écrivait en 1982 qu'il apposa en connaissance de cause son sceau sur le décret, créant l'unité 731 stationnée à Harbin, virgule, en Chine, point virgule. Qui, virgule, pour ses recherches sur la guerre biologique, se livra à des expériences sur des centaines de prisonniers, point d'interrogation. Donc là, il y a une séparation nette, et le qui devient vraiment un autre sujet interrogatif. Le point-virgule clôt après « Chine » la phrase qui le précède. Donc le « qui est placé juste derrière le point-virgule, fait alors écho à « Qui est cet homme ?» dont, et ça donne à la seconde partie du texte, le sens de « Et qui se livra ?» C'est donc l'empereur du Japon qui, personnellement, se serait livré à des expériences. En fait, on ne doit pas reprocher au Mikado que d'avoir trempé, lui, le porte-plume ou le calame, enfin, je ne sais pas ce qu'il a trempé dans l'encre, mais ce n'est pas ses mains qu'il a trempé dans le sang. On rétablit la virgule en lieu et place du point-virgule, et ça donne « Créant l'unité 731 stationnée à Harbin, virgule, en Chine, virgule, qui, pour ses recherches sur la guerre, ta-ta-ta-ta-ta-ta. » Et là, on constate que ce n'est plus l'empereur
qui torturent les captifs au nom d'une criminelle recherche scientifique, mais les tortionnaires sadiques de l'unité 731. Et c'est une unité dont il a autorisé la création. On refait la phrase deux fois de suite et ça donne « Qui est cet homme dont le quotidien communiste Akarata écrivait en 1982 qu'il la posa en connaissance de cause son sceau sur le décret créant l'unité 731 stationnée à Harbin en Chine ?» Qui, pour ses recherches sur la guerre biologique, se livra des expériences sur des centaines de prisonniers ? Et on l'a fait avec juste une virgule. Qui est cet homme dont le quotidien communiste Akata écrivait en 1982 qui la posa en connaissance de cause son sceau sur le décret créant l'unité 731 stationnée à Harbin en Chine, qui, pour ses recherches sur la guerre biologique, se livra des expériences sur des centaines de prisonniers. Elle est un peu trop longue cette phrase, c'est ça le problème en fait. Alors, Marcel Samba est une station de la ligne 9 du métro parisien, de même qu'une station de la ligne 4 du tramway de Lyon. C'est le nom d'un homme politique socialiste et ministre français, donc pas un pote de Maurras, on peut s'en douter, sous la présidence de Poincaré, né le 19 octobre 1862, à Bonnières-sur-Seine et mort en 22 à Chamonix. Merci, my name is Métos, c'est gentil. Le signe, enfin, dont l'emploi est tout un art, s'appelle la virgule. Une virgule intempestive, omise ou mal placée, et voilà une clause de contrat, insidieuse peut-être, hein, modifiée. Voilà une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, à peine signée, sera immédiatement contestée dès que les traductions ont été effectuées. Frappons fort, en démontrant tout de go qu'une seule virgule peut faire passer une personne de vie à trépas. Si vous écrivez « La fameuse aviatrice américaine Amelia Earhart n'est pas morte comme on l'a dit », sans virgule, ça signifie qu'on émet des doutes sur la cause, sur les circonstances de son décès. Elle n'est pas morte quand on l'a dit. Mais si on met une virgule, ça change tout. Vous rejoindrez ainsi d'ailleurs le point de vue de plusieurs historiens qui ne croient pas à un accident survenu à l'aviatrice. Pour eux, l'américaine a été abattue en vol par des aviateurs d'une puissance étrangère, chargés par leur gouvernement d'éliminer une espionne. Mais bon, si vous adoptez cette syntaxe, dont cette acception, vous remarquerez que vous ne pouvez pas transporter en tête de phrase le groupe comme on l'a dit. La fameuse aviatrice américaine Amelia Earhart n'est pas morte comme on l'a dit. Non. Mais si on ajoute une petite virgule derrière morte, la fameuse aviatrice américaine Amelia Earhart n'est pas morte, virgule, comme on l'a dit, là on peut le faire. Mais là c'est un scoop dont rêvent tous les journalistes. Car en ce faisant, le sens de la phrase devient, contrairement à ce qu'on a toujours dit ou à ce qui a été dit, elle n'est pas morte, elle est toujours vivante. Voilà, un exemple assez simple à comprendre. Comment ça tu captes rien, gros cerveau? Mais je croyais que t'as... Mais alors, et ce pseudonyme? Ça touche les baguettes sans faire bouger les autres, cette histoire de Mikado. Bon, mais l'exemple est peu frappant parce que la phrase est longue et tortueuse. Donc, évidemment, c'est chiant. Dites-vous juste simplement que le qui ouvre à une deuxième question, à un deuxième fragment de question, alors que sinon, il vient coaguler les deux propositions au premier sujet. Voilà. Tout simplement. La vie ou la mort, vous avouerez qu'une légère virgule peut quand même avoir beaucoup de poids. Salut Ribouledingue. Alors Ribouledingue, je précise pour toi comme pour tous les gens qui viennent ici dans l'espoir de nous entendre partir sur la suite du travail sur les Broutons. Gaël ne va pas bien, il n'est pas avec nous ce soir. J'espère qu'on le retrouvera la semaine prochaine, mais du coup j'ai choisi de passer à autre chose et de vous parler de ponctuation. Vous aurez certainement noté dans les lignes ci-dessus, celles que je viens de lire, qu'une coupe effectuée dans un texte est obligatoirement exprimée par des points de suspension mis entre crochets. Hein, vous ne le voyez pas à l'écrit, puisque évidemment... Enfin, à l'écran, puisqu'évidemment, tout ça est sur la feuille de papier. Et vous avez l'habitude, quand on découpe une phrase qu'on ne veut pas citer en entier, en général, on met deux petits crochets, trois points de suspension entre les crochets. Ça veut dire qu'on cite un fragment de quelque chose. On fait un petit saut, on fait une incise de silence dans la phrase. Si vous vous contentez des points de suspension à l'intérieur d'une phrase, vous les attribuez à l'auteur, dont vous citez un extrait, et donc vous désinformez vos propres lecteurs, en ne leur indiquant pas que vous avez tronqué votre citation. Bon, vous pensez tous que le commissaire Maigret est un fin limier, le roi de l'enquête, l'empereur de l'investigation. Donc, quand il dit « vous pensez tous », il s'adresse quand même à des gens en 1987, hein, on est d'accord. Je pense que Maigret, ça vous dit plus grand-chose.
Mais c'était un héros de la télévision française à cette époque. Il y avait énormément d'épisodes de Maigret qui étaient interprétés en 87 encore par Jean Richard. C'était pas encore Bruno Kremer. Eh bien, vos certitudes seront durement ébranlées à la lecture de cet extrait de Maigret et l'homme seul. Ouvrez les guillemets. Donc Maigret, c'est un personnage de Simenon, mais on regardait plus Maigret à la télé en 87 qu'on ne lisait encore Simenon, à mon avis. J'essaie de comprendre, virgule, ce qui, virgule, et je l'espère, virgule, arrivera un jour ou l'autre. Donc j'essaie de comprendre ce qui, je l'espère, arrivera un jour ou l'autre. Inadvertance de l'auteur, Simenon ou de l'éditeur, mais enfin, quoi qu'il en soit, on ne peut pas se méprendre sur l'interprétation de la phrase. Maigret déclare qu'un jour, peut-être, il arrivera à comprendre. En fait, il y a une petite virgule en trop qui vient juste après comprendre et qui déforme le propos que logiquement Maigret devait tenir. Le commissaire, en réalité, veut dire qu'il essaie de deviner quel sera le comportement de tel ou tel personnage, qu'il essaie d'anticiper les événements plus ou moins porteurs d'indices qui ne manqueront pas de survenir. Toutes les éditions du roman devraient donc comporter la ponctuation suivante, c'est « J'espère de comprendre ce qui, virgule, je l'espère, virgule, arrivera. » Donc dans un cas de figure, il essaie de comprendre ce qui va arriver. Dans l'autre cas de figure, il essaie de comprendre tout court. Ah oui, Antalpiste, t'as des souvenirs qui remontent à la sur. Comment ça, Jura-Dodge? Je ne vous ai pas déjà parlé de Jean Richard et de Bruno Kremer. Enfin, c'est la première fois que j'évoque ça. C'est pas comme si j'étais hanté, tant que j'étais pas spécialement un spectateur. Moi, j'aimais bien les 5 dernières minutes, mais on va pas revenir là-dessus. La virgule est très précieuse pour marquer l'unicité d'une fonction, d'un organisme. Ainsi, entre autres, dans le code de correction des épreuves des championnats de France d'orthographe, organisé par Bernard Pivot, la petite équipe du jury national, qui est en charge de la mise au point des dictées, des tests complémentaires, c'est un grand moment de télé à cette époque encore, hein, a bien pris soin de devancer d'atrabilaires contestations. L'auteur du présent article, donc atrabilaire, furieuse, en colère, exaspérée. L'auteur du présent article et ses collègues ont ainsi veillé à placer une virgule derrière le mot national dans cet alinéa. Pour tout problème qui pourrait se poser sur le texte de la dictée, les tests éliminatoires ou le code de correction, veuillez consulter le jury national, virgule, qui seul est habilité à trancher. Ne pas mettre cette virgule reviendrait à dire qu'il existe plusieurs jurys nationaux des CFO, par exemple. Voilà, ça donnerait veuillez consulter le jury national qui seul est habilité à trancher, dans lequel de tous ces jurys. Évidemment, une virgule et. C'est une fréquente erreur de ponctuation consiste à créer des incises absurdes, du genre le poète russe, virgule Z, bon, mettons Klebnikov, le poète russe, virgule Klebnikov, vient de publier un nouveau recueil de poèmes. Le boxeur français, virgule Kid Kong, a été mis KO au troisième round. Évidemment, il faut bannir ces virgules, qui laissent entendre que l'Union soviétique ne possède qu'un seul poète. Donc, le poète russe, virgule machin, il n'y a qu'un poète, c'est le poète russe, hein, vient de publier un recueil de poèmes. Donc, évidemment, c'est le poète russe machin, virgule, vient de publier un recueil. Là, il y a évidemment une construction d'incises complètement fautive. Je sens que ça vous intéresse passionnément, ces histoires de virgule. Allez, je vais vider ce chat. Vous allez tous vous barrer mort d'ennui. Je suis vraiment désolé. Je redécouvre le texte avec vous. Autre manque d'appréciation couramment relevé, l'absence de distinction entre une partie et un tout. Ce défaut surgit notamment en présence du relatif qui. Si ce dernier est suivi d'une virgule, il introduit une relative explicative qui va concerner la totalité des personnes ou des choses dont il est question. Exemple, les députés de l'opposition, virgule, qui ont voté avec ceux de la majorité, virgule, estimaient avoir choisi la voie du bon sens. Donc vous pouvez même la faire sauter, hein. Qui ont voté avec ceux de la majorité. Donc vous rajoutez juste une petite précision sur qui ils sont. C'est sûr que si vous faites sauter la première virgule, vous spécifiez un groupe parmi l'ensemble des députés de l'opposition qui l'ont voté. Ça donne les députés de l'opposition qui ont voté avec ceux de la majorité, virgule, estimaient avoir choisi la voie du bon sens. Dans le premier cas, tous les députés de l'opposition ont voté. Dans le deuxième, vous faites sauter la virgule et vous créez un contresens. Non, je ne vais pas vous les faire toutes. Bon, je saute les. Parce que comme le problème de l'auteur, c'est qu'il n'est pas, il est pas très marrant et il essaie d'être marrant et c'est très ennuyeux. Donc il commande des. C'est drôle. Des blagues d'académiciens, c'est rarement marrant, quoi. J'avais oublié à quel point ce type avait une écriture compassée et chiante. Si on fait sauter la virgule, ça fait une virgule grillée.
Sans commentaire. Un gamin de 5 ou 6 ans appelait désespérément, virgule, en frappant des pieds sa mère. Là, plutôt, on en a oublié une. Ça donne conflit des générations, colère enfantine contre une mère qui refusait d'acheter un jouet, un gâteau peut-être, mais peut-être aussi une ponctuation défectueuse qui trahit la pensée de l'auteur. Est-ce qu'il n'aurait pas voulu dire plutôt un gamin de 5 ou 6 ans appelait désespérément, virgule, en frappant des pieds sa mère. Voilà. Donc si vous oubliez la deuxième virgule, il frappe sa mère des pieds. Ça devient tout à fait autre chose. Vous me dites hein, si vous en avez plein le cul et je passe à l'autre texte qui raconte l'histoire de la ponctuation. Parce que moi-même, en le lisant, je me rends compte que cet égrènement de cas est peut-être pas passionnant. C'est à la fois marrant et à la fois, bon, je crois qu'on a un peu compris, quoi. Ce fougueux journaliste est aimé, virgule, parce qu'il a été mis en prison pour un article de deux riches héritières. Ah, voilà un texte assez curieux qui fait sursauter le lecteur. Pourquoi une plume de canard subirait-elle la prison pour un article écrit par deux jeunes femmes? Ça donne, oui, ce fougueux journaliste est aimé, virgule, parce qu'il a été mis en prison pour un article de deux riches héritières. C'est assez bizarre. Non, faut-il plutôt comprendre que la rédaction de la phrase est maladroite et qu'on doit comprendre que le journaliste a écrit sur les deux demoiselles de la haute société un article aussi venimeux que diffamatoire, d'où sa condamnation. Ce qui donnerait. Ce journaliste, ce fameux journaliste est aimé parce qu'il a été mis en prison pour un article de deux riches héritières. Non, c'est pas ça. Pop, 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 pop. Il a écrit un article. Oh là là, excusez-moi. Ce journaliste est aimé parce qu'il a été mis en prison par un. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il a été mis en prison pour un article de deux riches héritières. Alors non, c'est moi qui. Oui, il veut la mettre normalement. Ce journaliste, hein, ce fougueux journaliste est aimé, virgule, parce qu'il a été mis en prison pour un article. C'est ça. Virgule, deux de riches héritières. Oui, ça change tout. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça serait très bizarre. Il a été mis en prison pour un article, donc il est très courageux. Et là, il est aimé de deux riches héritières. Sinon, on ne comprend plus que dalle. Et moi-même, je ne comprenais pas cette phrase. Je la trouvais très étrange. Bon, c'est chiant. Après, la suite des exemples me semble un petit peu redondant. Les uns après les autres égrènent des situations et je crois que c'est chiant, en fait. En fait. Alors, voyons comment il finit son texte. Nous pourrions multiplier à l'infini les exemples démontrant que la ponctuation, au-delà de son rôle grammatical, consistant à structurer l'énoncé, est porteuse de sens et offre à ceux qui utilisent à bon escient et avec finesse une riche palette de nuances de l'expression. D'accord là-dessus. Mais on peut regretter que le point d'ironie, dû à l'inventif publiciste Alcanter et de Brahms, n'ait jamais été repris dans l'usage. Bah, on peut dire que là, d'une certaine manière, le point d'ironie est largement repris désormais, puisque nos correspondances sont tiquetées d'émotes. C'est-à-dire qu'on est allé très au-delà de l'usage du point d'ironie en rajoutant toute une série de nuances expressives avec l'usage des émotes. Voilà. Tu as survécu à un prof de droit européen qui lisait un à un chaque État signataire de tous les traités internationaux, qu'il y en ait 20 ou 120. Tu ne crains plus rien sur ce terrain. D'accord. Toi qui te fascine, c'est quoi? C'est le temps de travail pour rassembler tous ces cas pour cet article. Oui, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Effectivement. Je crois que, comme je fais souvent, enfin, comme je faisais souvent, je ne fais plus ça. Mais à l'époque où j'ai découvert cet article, je pense que je me suis beaucoup amusé du début. J'ai dû lâcher l'affaire. Le bouquin a rejoint la bibliothèque et 30 ans après, j'ai juste le souvenir de l'enjouement du début. Et avec l'histoire de Martin et son âne. Et puis après, ben, je crois que j'ai dû me faire chier, mais j'ai oublié que je m'étais fait chier. Parce que je vois aucune raison au monde pour laquelle je me serais moins fait chier en 1987 qu'aujourd'hui. Et comme je ne tiens pas tant que ça à vous perdre dans les méandres de trucs chiants, on va passer à l'autre texte qui est quand même plus excitant, je pense. C'est le retour aux sources. Où là, on va assister à la genèse historique de la ponctuation. Ça, je pense que ça peut être pas mal. La ponctuation, comme l'écriture, commence très modestement. Par quelques signes mnémotechniques, comme des nœuds à son mouchoir, des cœurs sur les arbres, etc. L'homme même ainsi marqué son territoire mental, signe de son activité intellectuelle. C'est la première métaphore architecturale. Alors voilà comment ça s'est passé. Un jour, le premier directeur de la grande bibliothèque d'Alexandrie, qui venait de se créer, 700 000 volumes hein, quand même, la première bibliothèque d'Alexandrie, un certain Zénodote d'Éphèse, oui, je m'en souvenais,
Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah ben voilà, plus de 30 ans après, je me souvenais de Zénodote d'Éphèse, dites donc. Un certain Zénodote d'Éphèse, donc on est en 320 avant l'ère chrétienne, en eut assez de s'user les yeux à déchiffrer péniblement, les innombrables suites de gribouillis, non des anciennes éditions d'Homère, qui étaient en général très soigneusement écrites, mais des textes écrits sur Homère et des textes sur les textes écrits sur Homère. Parce qu'en ce temps-là, on faisait pratiquement que ça. Chacun y allait de son petit couplet en marge du voisin, le suivant se cherchait une place à côté, en haut, en bas, à gauche, à droite, par-dessus, par-dessous, rajouter des notes à la ligne, 10 pages plus loin, à la fin, au début du volumen, et après ça, hop, dérouler l'ensemble de la recherche. Il fallait ensuite retrouver précisément le commentaire qu'on avait lu la semaine d'avant. Ben, le support, quel qu'il soit, il ne faut pas l'oublier, à l'époque, il était quand même très cher. Et il est resté très longtemps. Les volumes en question n'étaient pas faits sur du papyrus, qui à mon avis était beaucoup moins cher. Mais on faisait ça sur du parchemin, sur du velin, enfin sur des peaux d'animaux qu'il fallait tanner. Il en fallait un nombre considérable pour faire un seul bouquin. C'était très cher à faire, à acquérir. Donc évidemment, chaque centimètre carré était précieux. Et on construisait tout le paratexte, toute l'écriture là-dessus. Il n'y a pas de modo pour valider ta citation. Ah oui, ou peut-être que je le fasse alors, parce que là, je vais pas pouvoir faire ça beaucoup à Suze, parce que, voilà, pour une fois, mon clavier n'est pas trop loin de moi, donc ça peut marcher. Côte Val, et c'est quel numéro? 503. Hop. Ça semble avoir fonctionné. Zénodote, donc, a voulu mettre un peu d'ordre dans tout ça. Faire respecter ses livres, au moins séparer les ajouts du texte lui-même. On est encore très loin à l'époque de la propriété littéraire, mais la police des ouvrages commençait à remplacer l'énorme embouteillage des pages communautaires et à tracer, tel le soc de Romulus, le pourtour préservant l'intégrité des textes. Deuxième parabole architecturale. Alors le soc, vous vous souvenez, je vous ai déjà lu parlé de ça, pardon, à propos du templum de la création des cités romaines, à savoir qui était auguré, l'augure regardait dans le ciel pour trouver une configuration qu'il considérait comme si douce dans l'alignement des étoiles, qui allait être projetée au sol. Salut, glitch. Et ce pourtour était tracé avec le soc d'une charrue et soulevé à l'endroit de la porte, la porta, donc on le portait, le soc, et c'était l'endroit intermédiaire entre les hommes et les dieux, qui était le lieu de passage, voilà. Donc le soc était soulevé, je pense que le soc de Romulus dont on parle, c'est ce soc-là. Le soc qui sert à tracer le contour, le sillon de la cité, qui est la projection du templum, de sa configuration dans le ciel. Il n'y avait pas seulement Homère, Alcée, Pindare, Sophocle, Euripide, Aristophane, Ménandre, Aristote, Platon. Toute la littérature grecque y était, sans compter les manuscrits sacrés ou profanes venus de l'ensemble de l'empire d'Alexandre le Grand et naturellement de l'Égypte même. Bon, tout ça, dans mes souvenirs, a été dégommé par les chrétiens, la bibliothèque d'Alexandrie. Rappelez-vous que précisément, la bibliothèque n'avait pas encore brûlé. Et par conséquent, on avait tout. Alors qu'aujourd'hui, on n'a plus que la millième, peut-être la millionième partie de ce fabuleux héritage de l'Antiquité la plus ancienne. Par exemple, on sait que les œuvres d'Aristote, étaient, notamment les œuvres naturalistes, étaient dûment illustrées. Qu'est-ce qu'on adorerait savoir ces représentations-là, qui étaient des représentations à visée scientifique, explicative, descriptive, heuristique, on ne les connaît pas, et ça changerait complètement notre Aristote, on le regarderait d'un autre œil. Zénodote, en tant que directeur, n'avait pas seulement à répertorier les auteurs, à classer les matières, les éditions, etc., comme tout bon bibliothécaire. Il devait reproduire clairement, en donnant à faire autant de copies que nécessaire, ses textes et les gloses. Et pour ça, et avant tout, il fallait les lire attentivement pour supprimer les passages apocryphes, donc les passages qui n'étaient pas de la main de l'auteur présumé, restaurer les lacunes, parce que des fois les textes pouvaient être altérés, grattés, etc., pour préparer des éditions où chacun puisse se retrouver dans ce merdier. Et heureusement qu'il l'a fait. Donc,
La première tâche qui s'est imposée à lui, et après lui à ses successeurs et disciples, eux aussi conservateurs de la célèbre bibliothèque, c'est Aristophane de Byzance, Aristarque de Samothrace, etc. C'était de vérifier que la copie qu'ils avaient devant eux était correcte, en procédant mot par mot au collationnement et à l'établissement du texte. Donc, le collationnement, c'est quand vous rassemblez tous les éléments de quelque chose entre eux pour constituer une somme. Donc, collationnement. À la prochaine, gros cerveau. À bientôt. Donc, c'est assez chouette. On connaît toute la séquence des bibliothécaires d'Alexandrie, dites donc. Pour cela, ils ont mis au point toute une série de signes critiques dont nous avons hérité. Appel de notes, séparation des chapitres, établissement des titres, intitulés des ajouts successifs, etc. C'est ce que nous appelons la mise en page. Tâche immense et ingrate, faite aujourd'hui anonymement dans les ateliers, et qui délimite, présente, habille le texte. Voilà d'où est venue la ponctuation, tout comme l'accentuation, les deux étant liés bien plus qu'on ne le croit. Alors sur les manuscrits plus tardifs, hein, vous noterez que la ponctuation souvent est absente, mais qu'en revanche, la rubrication est présente, ce qui permet quand même de s'y trouver. Donc la création de rubriques. D'ailleurs, le terme même de rubrique nous dit quelque chose de la façon dont c'était fait, puisque le rouge rubrique, qui vient du nom même de ce qui nous sert à fabriquer ce rouge, va donner son nom à cette séparation. Donc on séparait les rubriques, les paragraphes, par une entrée, souvent capitalisée, et puis en rouge. Peu à peu, la composition de ce point de vue des pages va précéder le travail de mise en ordre de la ponctuation. Tu fais une accolade à gros cerveau, bravo, my name. On continue. Il y a une autre raison à la mise au point de ces signes. C'était purement et simplement la lisibilité. De même que ces hôtes alexandrins, venus des quatre coins du monde, hein, savants, professeurs, lecteurs curieux, tout le monde venait à la bibliothèque d'Alexandrie, vous pouvez l'imaginer quand même, c'est un truc ahurissant, se posaient des questions pour savoir comment réciter tel vers, comment prononcer tel mot, ce qui fait qu'on a pris alors l'habitude de placer certains points, certains accents, par-dessus ou par-dessous la ligne pour indiquer les voyelles, les syllabes toniques, les lettres muettes. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vocalisation de l'hébreu, par exemple. Et de même, d'autres points placés à côté, entre les unités, qui ont été utilisés alors pour signaler des coupures de mots ou distinguer des homographes, les mots simples et composés, etc. Pour comprendre toute l'importance de ces nouveaux usages, qui paraissent si humbles, pour remuer énormément de choses. On a tout d'abord avoir une idée de ce qu'était la méthode, la lecture pardon, et l'écriture en ce temps-là. Il était très difficile de lire et très peu de gens parvenaient à le faire. Le grec, à l'époque, était écrit sans séparation des mots. C'est ce qu'on appelait la scriptio continua. Pour saisir le contenu de ce qu'on voyait, il fallait au moins trois opérations distinctes. Il fallait déchiffrer les lettres elles-mêmes, comprendre et enfin lire ces mots, car on lisait naturellement les poèmes à haute voix à l'époque ou en murmurant et pas comme on le fait aujourd'hui. Une façon totalement aberrante d'ailleurs pour des textes poétiques, avec les yeux. L'auteur, et il n'a pas tort, pense que même dans le poème contemporain, les lire en silence c'est une aberration. Vous devez savoir, mais peut-être que je vous en ai déjà parlé, que la lecture silencieuse, c'est une invention moderne, enfin façon de parler, mais qu'on pourrait quasiment la dater. Parce qu'on trouve chez saint Augustin un passage dans ses confessions où il parle de son maître, Ambroise, et il décrit ce qu'il considère comme une activité extrêmement mystérieuse pour lui. Il décrit Ambroise qui lit sans remuer les lèvres. Et pour lui, c'est très étonnant. Les textes, de toute façon, avaient vocation à être oralisés, ne serait-ce que pour leur communication. N'imaginez pas que les textes circulaient de main en main, étaient faits assez d'exemplaires, enfin que c'était le mode commun d'usage du livre. Le livre était plutôt oralisé à la destination de plusieurs personnes et on écrivait plutôt un texte pour l'oraliser. Beaucoup d'auteurs anciens se méfient comme de la peste de l'écriture qu'ils jugent
mauvaise pour la mémoire et étrangement plus mensongère que l'usage de la mémoire et de l'oralisation, par exemple. Or, la plupart des lecteurs n'étaient pas grecs et prononçaient cette langue de façon approximative, comme nous avons en France prononcé le latin de façon plus que bizarre au cours des siècles. D'où deux sortes de signes. Les ancêtres des nôtres, donc des points, qu'on peut appeler sonores, qui indiquaient la prononciation, donc là c'est un usage phonétique, hein, comme par exemple le dagesh en hébreu à l'intérieur d'une lettre qui la redouble, qui lui donne une puissance et une force. Voilà, donc on ne va pas prononcer pareil une lettre marquée d'un point à son intérieur, comme le bet qui va devenir très puissant si on lui met un dagesh, etc. etc. On peut avoir un adoucissement aussi entre le sin et le shin, enfin, voilà. Ça sont ça des points à usage phonétique. Alors vous pouvez en voir effectivement sur les manuscrits hébreux quand on a décidé de les rendre vocalisables plus facilement, mais sinon vous les connaissez bien en arabe, où il y a une floraison de ces points qui ont cet usage. Et des points qu'on peut appeler visuels, c'était souvent d'ailleurs les mêmes. On entendait par point, donc ça vient du latin puncta, tous ces types d'accents, de signes auxiliaires, de ponctuation, point, ponctuation, etc. Les premiers, en gros, sont devenus nos accents. Les toniques, tout ce que vous voulez, et les secondes, une partie de notre ponctuation. Il est quand même beaucoup plus intéressant, ce texte, non ? Les Latins, là comme ailleurs, n'ont pas inventé grand-chose. Ils ont repris les usages des Alexandrins, qu'on retrouve autant chez Donna, donc au IVe siècle, que chez Priscien, Isidore de Séville. Alors, on a parlé d'Isidore de Séville. Ah, je l'avais placé au IXe siècle. Ben, j'ai tort, regardez, c'est VIe, VIIe. Honte sur moi. Je vous ai parlé d'Isidore de Séville et de ses étymologies au dernier live. VIe, VIIe. Et durant tout le Moyen-Âge. Donc, un peu le socle de la formule encyclopédique médiévale. Même si, bon, on aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais on constate partout le même désir de bien séparer les mots, de bien distinguer les équivoques, etc. La première ponctuation, c'est une ponctuation de mots, qu'il faudrait appeler d'ailleurs une espèce d'ex-ponctuation, plutôt que ponctuation. Ce n'est que plus tard que s'est introduite une certaine ponctuation de phrase. Ainsi, en Angleterre, au XIIe siècle, on retrouve des manuscrits où l'absence de séparation des mots, ou leur mauvaise séparation, c'est le problème numéro un des scribes. Là encore, comme à Alexandrie, comme pour le latin chez nous, il s'agit, ne l'oublions pas, de lire en une langue qui n'est pas la langue maternelle, qu'il s'agisse pour les Anglais du latin ou du français. D'où l'invention de signes-mots. Par accent distinctif sur « e »,« d », »,« a », »,« la », donc « e », accent aigu, « d », »,« e », »,« a », accent grave, « la », etc., dont on a hérité. Ou de signes syllabes. Le but, c'était toujours à la fois de déchiffrer lettre à lettre, de comprendre et ensuite de mieux lire à haute voix. Les Anglais, scribes et grammairiens, sont, avec les Grecs et les Latins, l'une des sources essentielles de nos signes actuels. Alors, qu'ont, direz-vous, ces signes-mots à voir avec notre ponctuation ? Ben, c'est que le signe de ponctuation le plus efficace, celui dont nous avons le plus bénéficié avec les méthodes modernes, c'est quoi à votre avis ? C'est con, hein, mais c'est important. Vous voyez pas ? À votre avis ? On est en train de parler de la distinction entre les mots. Qu'est-ce qui distingue les mots entre eux ? Mais c'est le blanc, c'est l'espace. On dit une espace, d'ailleurs, en typo, quand on le marque par un glyphe, par exemple. De même que le dévoué bibliothécaire Zénodote et ses continuateurs avaient les premiers placé des points entre les mots, opposant ainsi les suites de lettres les unes par rapport aux autres. De même, il a fallu des siècles et des siècles pour que ce problème soit réglé, au moins dans ses grandes lignes, et il n'a pas été tout de suite par l'apparition de l'imprimerie. L'usage du blanc et de ses substituts peuvent être considérés comme l'espèce de degré zéro, si vous voulez, de l'orthographe. C'est par là qu'a commencé, si on peut dire, la véritable séparation de l'écrit et de l'oral. Une fois qu'on assure les blancs, à tous les niveaux, bah, le reste devient secondaire.
On se rend pas compte de ce que représente dans l'écriture le découpage, lettre par lettre et mot par mot d'une langue, qu'elle soit la vôtre ou qu'elle soit dans une langue étrangère. C'est toute la conscience linguistique qui s'engouffre ainsi dans une activité qu'on peut par là même de qualifier de scientifique, décomposer en éléments premiers, puis ensuite reconstruire. Et la ponctuation, c'est ça, à tous les niveaux. Salut Gamepig. Ça va? Donc je rappelle, hein, pour ceux et celles qui arrivent en train, Gaël n'est pas parmi nous, il ne va pas bien, donc nous avons sauté le live pour sur la Bretagne, et nous verrons ça, je l'espère, mardi prochain, s'il va mieux. Avec l'imprimerie, surtout à partir de J. Torrey, donc c'est au XVIe siècle, voilà, grand foisonnement, dès l'instant où l'imprimerie apparaît au début du XVIe, commence à fleurir les éditeurs-imprimeurs, qui sont une seule et même personne, qui sont souvent auteurs eux-mêmes par ailleurs, qui ont un rôle politique très important à jouer dans l'organisation de la pensée, du monde religieux, enfin à ce moment-là. Donc il y a des très gros enjeux. L'imprimerie est un immense pari sur l'avenir. Et il y a très tôt, hein, des fondeurs, enfin des gens qui construisent des typographies, c'est-à-dire qu'ils ne se posent pas que des questions, on pourrait dire, de langue, de mise en forme du texte, d'un point de vue sémantique, structurel, mais qui se le posent aussi dans un ordre, j'allais dire esthétique, mais ce n'est pas vraiment ça, ce n'est pas pour que le texte soit plus beau. Il y a une certaine idée qui va présider à la construction harmonique des premières typographies, d'un sens de la forme, voilà, qui accompagne un projet intellectuel par des propositions métriques qui semblent à la hauteur du projet intellectuel qui les accompagne. Donc, l'humanisme du XVIe, c'est aussi un incroyable mouvement de fonderie. Alors, avec l'imprimerie, surtout à partir de Torrey, apparaissent d'autres signes mots très importants, eux aussi, qui ont permis, par exemple, de bien séparer l'article défini du mot qui le suivait, par l'apostrophe, par exemple. Et un peu plus tard, le trait d'union. Alors, vous voyez bien, évidemment, la vertu sémantique, pour le coup, de cette apostrophe, par la séparation, la coupe qu'elle propose entre l'article et le mot. Alors qu'on utilisait depuis très longtemps le trait de division, en fin de ligne, noté en général par deux petits traits dans les manuscrits. Il y a très tôt, pour poser la machine à imprimerie dessus, Suse. Ceux-là sont particulièrement tirés par les cheveux. Hein. Tu exagères. Ainsi, jusqu'à Torrey, on écrivait pour les noms propres ou ceux qu'on voulait souligner d'une majuscule d'Athènes. Donc avec une majuscule pour « vient d'Athènes », pour séparer Athènes de l'origine, du « D », un « D » majuscule et Athènes sans majuscule, ou l'Église avec un « L » majuscule et « Église », qui à l'époque s'écrivait encore « Église », sans majuscule. Donc visuellement, vous aviez cette séparation entre l'article. D'Eusèbe, donc vient d'Eusèbe, d'Eusèbe de Césarée, depuis Eusèbe. Donc avec la majuscule à l'article, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire autrement. Et là encore, la conscience exacte de ce qu'on appelle le mot n'est pas venue tout de suite. On est passé d'abord à d'Athènes, des apostrophes Athènes, l'Église, donc L majuscule, à chaque fois il y a la majuscule, hein, d'Eusèbe. Et ensuite, on a doté l'unité elle-même de ce qui lui revenait, sa majuscule. Vous voyez, dans le couple qui vient d'Athènes, on mettait la majuscule sur le D, l'Église, on le mettait sur le L, alors que ce que ça soulignait, le statut que ça soulignait, était bien apporté sur le mot lui-même, sauf que là, on les groupait encore, si vous voulez, comme une espèce d'unité sémantique à coller, avant de se décider à déplacer la majuscule sur Athènes, Église, Eusèbe. Alors, l'Église, évidemment, s'il a une majuscule, ça signifie toute la chrétienté. Bien sûr, on n'était pas de majuscule à une Église. Ah, il faut dire un petit mot de ces majuscules. Il y a là encore deux sortes de majuscules, signe-mot ou signe-phrase. En tant que signe-mot, on les a assez vite, donc 4e, 5e siècle, quand on est passé
des capitales romaines à l'écriture onciale cursive, dans laquelle les grandes et les petites lettres étaient pour la première fois distinguées, utilisées un peu à toutes les sauces. Alors, vous voyez les manuscrits des onciales, hein, c'est, bon, elles vont être remplacées à la période carolingienne par les lettres carolines, mais les onciales vont, elles serviront encore hein, pour faire des titrailles ou des choses comme ça à la période carolingienne, elles ne vont pas complètement disparaître, mais pendant longtemps, les manuscrits ont été écrits en onciales, donc ces belles lettres assez rondes, qui ont un héritage romain. Et effectivement, la capitale romaine, on comprend un peu sa jeunesse, son usage, puisqu'il y a une source lapidaire, enfin la taille de pierre. Vous vous doutez bien qu'elle se prête assez peu à la succession des courbes, et ça peut assez facilement éclairer l'usage intensif de la capitale romaine, hein, qui est produit par des coupes franches dans la pierre, hein, des tailles franches. Et il n'y a pas de raison de son maintien, évidemment, dès qu'on passe à la plume, au calame. Et donc, dans les onciales, il y a une séparation des capitales romaines, et de cette écriture cursive, donc écriture manuelle. Non seulement, donc, pour tous les mots importants du texte, on va mettre ces capitales romaines, donc les noms propres, les noms lieux, etc., comme c'est toujours le cas en allemand, d'ailleurs, les noms communs ont tous, le substantif a toujours une capitale. Mais également tous les accents de mots dont on parlait plus haut, pour distinguer les unes des autres, par exemple les catégories grammaticales, les substantifs, les verbes. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, d'où cet usage encore actuel en allemand qui leur cause bien des tracas. Oh, je ne sais pas pourquoi il leur cause des tracas, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Chose curieuse, on utilisait beaucoup plus de majuscules de mots au 15e et 16e siècle qu'aujourd'hui. Il y en avait partout. C'est qu'elles servaient non seulement comme signe expressif, donc de distance, de révérence, hein. C'est des qualités perdues aujourd'hui, pour ces mots, mais dans une écriture en grande partie continue, pour noter, bah, comme par un blanc, les débuts des mots. Ouais, on vous a dit aussi que les supports étaient chers. Hein. Donc, il pouvait y avoir aussi de bonnes raisons de resserrer au maximum l'écriture. En dehors des usages, on peut y voir aussi, j'imagine, des intérêts économiques. Donc cette distinction, en tout cas, c'est sémantique, et elle est marquée pendant un long moment, juste par la majusculisation, là où l'usage du blanc finira évidemment par être déterminant pour cette séparation. Donc pour noter comme par un blanc les débuts des mots, encore aujourd'hui, certaines langues, comme l'arabe, n'ont pas de majuscules, mais des lettres initiales qui jouent le même rôle. Toujours dans le même but, décidément bien important, signalons au passage l'existence ancienne de variantes calligraphiques et typographiques, S longue et petite, S en petit, V et U, J et I, etc., en tant que lettre initiale ou finale. On voit combien il est difficile de cerner exactement ce qui est ponctuation et ce qui ne l'est pas. Cette période de déchiffrage, centrée sur les mots, elle a peu duré, ou du moins on est assez vite allé au-delà de cette question. On trouve dès le Moyen-Âge une ponctuation qui n'a plus rien de philologique, hein, établissant un texte traditionnel pour mieux le comprendre, pour mieux le transmettre, etc. Mais qui répond à d'autres besoins de communication, les plus divers. Il y a plein de multiplications, donc de l'écriture civile, religieuse, pédagogique, juridique, poétique, de divertissement, de recherche, etc. En poésie, par exemple, on va trouver des virgules dans les virgules, pardon, et les points, qui sont à l'époque des signes fondamentaux, qui vont servir à tout. Il n'y a pas de point-virgule. L'armada des tirets, des différentes formes de tirets, etc., ne sont pas là, des guillemets. Qui sont surtout des repères pour la déclamation. Donc, je dirais que d'une certaine manière, on trouve là un équivalent des points d'expression qu'on notait tout à l'heure quand je vous parlais, quand on évoquait les langues comme l'hébreu, où il y a la vocalisation, mais il y a aussi la quantillation. Ça sert pour le chant, à savoir quelle syllabe va être marquée par rapport à telle autre pour constituer la mélodisation du chant. Ces moments forts, hein, la tonicité, on pourrait dire, poétique du texte et expressive. La récitation publique ou privée. Donc très peu de signes, hein, en harmonie avec la respiration.
et donc aussi l'expressivité tout court, c'est-à-dire respect, crainte, ironie, sens dramatique, toutes ces choses liées à l'intonation. Un point, par exemple, peut être placé devant un nom propre, le nom d'un héros qui va mourir, ou qui apparaît pour la dernière fois simplement parce qu'il s'agit d'un endroit où il faudra élever la voix, donc donner un peu d'emphase, si vous voulez. Une simple virgule peut remplacer une majuscule, une virgule double, une parenthèse, ou nos guillemets, l'équivalent de nos guillemets actuels, pas impossible par ailleurs que nos guillemets actuels soient issus de cette notation de double virgule, et indiquer un arrêt nécessaire, la mise en valeur d'un mot. D'ailleurs, si je ne m'abuse, les guillemets anglaises ressemblent à s'y méprendre à des jointements de virgules, contrairement à nos guillemets françaises, qui sont des chevrons. Aujourd'hui encore, les acteurs, ou tout simplement les speakers de radio ou de télévision, parsèment ainsi leurs textes écrits de marques de diction, qui d'ailleurs correspondent pas toujours, loin de là, avec la ponctuation traditionnelle. Ce qui fait peut-être que, dans l'esprit de plein de gens, la ponctuation a surtout une valeur rythmique, métrique, ce qui est faux. Elle a vraiment une valeur grammaticale. Mais une certaine idée générale de l'élan de la phrase fait supposer, avant toute autre chose, une valeur de rythme de la ponctuation, ce qui n'est pas le cas. En prose, la ponctuation est plus riche, plus hachée et d'un autre type. On veut séparer les groupes de sens, les opposer les uns aux autres, faire ressortir l'essentiel et pas seulement bien lire ou bien déclamer. Alors elle est moins liée à l'oral. En fait, nous sommes souvent déroutés par les usages anciens. Beaucoup d'éléments nous échappent encore pour comprendre ces habitudes qui étaient, on n'en doute pas, hein, tout aussi justifiées et sophistiquées que les nôtres, mais juste différentes. À partir des 15e et 16e siècles, les premiers traités portant sur le français se multiplient. Alors, 15e, 16e, je pense qu'on est vraiment à une période où, précisément, fleurissent les usages singuliers. Il n'y a vraiment pas d'unification à l'écrit, parce qu'il n'y en a pas à l'oral non plus, par ailleurs, de la langue. Mais notamment, bon, il n'y a pas d'orthographe fixée une bonne fois pour toutes, pour tous les mots. Ce qui fait que, pour ma part, les textes français de cette période sont difficiles à lire et souvent plus difficiles que des textes plus anciens. J'ai moins de difficultés en fait, à lire les contemporains de Baudouin de Condé, souvent, que les contemporains de Rabelais. Voilà. L'un des deux premiers ouvrages imprimés en France, donc à l'atelier de la Sorbonne, en 1470, comporte un petit manuel de ponctuation, avec des usages strictement codifiés et bien analysés. Alors on parle d'un ouvrage imprimé en 1470, donc à ma connaissance, on n'a pas encore inventé les caractères mobiles en plomb, donc je suppose que là, c'est des caractères de bois, probablement des mots de bois, des plaques entières. Je ne sais pas si déjà on désarticulait la composition, ou si simplement on gravait une plaque entière pour l'impression. Donc vous pouvez imaginer évidemment la somme de difficultés que ça engage dans ce cas-là. Et là, le peu de maniabilité du matériel. Ces premiers incunables, qui sont imprimés en romain d'ailleurs, hein, utilisent. Alors je me demande si premiers incunables, c'est pas un peu un pléonasme, puisque incunables, c'est les premiers imprimés. Bon, disons les premiers des premiers imprimés, oui, pourquoi pas. Utilisent d'ailleurs eux-mêmes une riche présentation de signes, ce qui prouve combien nos traditions sont anciennes finalement. Alors, il dit CF page 34, est-ce qu'on a un petit truc je vais vous montrer à la caméra, ça va être compliqué, j'ai pas prévu ça. Ouais, il y a un petit extrait de l'Epistolarum Liber, donc du livre des lettres, je suppose. Enfin, Epistolarum, c'est le courrier, hein, de Gasparin de Bergame. Et je vais vous montrer, vous n'allez pas voir grand-chose. Ouais. C'est pas ouf. Je me rends compte en le faisant que c'est vraiment pas ouf. Je suis vraiment désolé, on n'y voit pas grand-chose. J'avais pas prévu. Pardon. Ces premiers incunables imprimés en romain utilisent d'ailleurs eux-mêmes une riche présentation de signes. J'aurais bien aimé vous trouver quelques incunables de cette période, mais... Ah,
J'ai du mal à manipuler mon bazar là-bas. C'est un peu loin. On aurait pu se mettre ça à l'écran. Non, non, c'est trop compliqué. Je suis vraiment désolé. J'aurais bien aimé, mais... Alors, désolé. Cependant, les fonctions linguistiques qui leur correspondent sont différentes. On s'expose à des contresens graves si on les assimile aux nôtres d'après leur bonne mine. En gros, d'après le fait qu'elles ont gardé des grands caractères de ressemblance avec ceux qu'on utilise encore aujourd'hui. On trouve déjà chez Delay, en 1540, la plupart de nos signes actuels. Alors, Delay, c'est Étienne Delay, un type hyper important. Pardon, c'est un... C'est un imprimeur, un intellectuel, un écrivain, poète, un humaniste français. Qui va jouer un rôle vraiment important dans l'histoire de l'édition. Donc, virgule, point, double point, parenthèse, point d'exclamation, point d'interrogation. Il s'agit là des plus courants, mais on connaît et utilise depuis très longtemps les séparations supérieures, c'est-à-dire les alinéas, paragraphes, versets, pieds de mouche. Alors, les pieds de mouche, on les, je ne sais pas si vous les croisez déjà encore. Alors, pour ceux qui utilisent de la PAO, le pied de mouche, ça n'a rien à voir, mais ça vous permettra de voir à quoi ça ressemble. Quand vous rendez visible sur un traitement de texte les caractères qui ne sont pas imprimés, mais qui signifient des usages de séparation de tel ou tel endroit, qui vont se référer à l'apparition de la structure du texte, le pied de mouche, je crois, est ce qui signifie un saut de paragraphe. C'est une espèce de avec une double hampe dans mes souvenirs. Lune et soleil qui marquent comme les lettres ornées ou les vignettes des manuscrits et des divisions de texte à ce moment-là. Oui, c'est ça, Dr. Wax, c'est un pied de mouche, très bien. Ouais. À côté, on a toujours bien sûr les anciens signes de référence, de correction et d'abréviation, donc astérisque. Croix, losange, petite main des fois, hein, des repères visuels pour les traducteurs, pour les savants, et sans compter une grande richesse de signes proprement scientifiques ou mathématiques, d'astrologie, de physique, d'architecture, etc. Donc on n'a rien inventé de ce point de vue. Il y a vraiment une floraison. On l'a dit, la première ponctuation, pas plus que la première écriture, n'a la prétention de noter vraiment le langage. Humblement, modestement, elle ne s'adresse pas aux autres, mais plutôt à soi-même. Dans son, on va dire, son objectif de discrimination et de clarté pour soi, bon, même si c'est un produit social. Tout comme les abréviations qui facilitent le travail de notation individuelle, l'écriture a d'abord été une prise de notes, et la ponctuation une organisation personnelle de la page. Travaux utilitaires qui ont fait place ensuite à l'art, la littérature et la création. À partir des temps modernes, mais bon là encore, on remonte bien loin en arrière, c'est le plaisir du style. Et avant tout, le plaisir du chant, de la poésie. Parmi toute cette convergence, parce que la ponctuation, si on l'étudie de près, est très significative de l'ensemble de la culture qui est propre à chaque époque, il faut signaler une source importante de signes, dont on n'a pas encore parlé, parce qu'elle apparaît en fait un peu tard, c'est la musique. Alors, je sais pas, j'ai en tête des écritures pneumatiques. Il y a... Oh, salut Narcisse, ça fait plaisir de te voir. Ça fait très longtemps. Alors, pendant 15 jours, j'ai peu été sur Twitch parce que j'étais absent. J'étais sur un atelier, mais à chaque fois que je suis passé sur Twitch, je cherchais pour voir si t'étais pas là, si j'aurais pas pu te voir en live, mais en tout cas, aux horaires où j'étais dispo, tu étais bien rare. Hein. Donc, content de te voir. T'étais dans le fond de la classe, d'accord. Près du radiateur, là où il fait bon, bah oui, c'est l'hiver. Salut la main chinoise. Bienvenue. Alors, rappelons-nous Victor Hugo qui a dispersé les alexandrins de sa pièce, Marion Delorme, sur une espèce de portée, dans ce qu'on peut appeler non pas un manuscrit, mais une sorte de partition. Où on peut même penser à Mallarmé, si sensible dans la présentation de ses poèmes. Alors là, je pense que vous avez... ça en tête, j'espère que vous l'avez, mais Mallarmé a vraiment fait exploser la question. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que le blanc fut le premier signe de ponctuation, c'est-à-dire qu'il avait une valeur distinctive, mais après, les choses ont des conséquences qui vont au-delà, évidemment, de leurs usages. Vous pouvez l'imaginer. Vous produisez un signe
qui a une vocation particulière, qui va s'articuler en un sens. Mais par le seul fait de son apparition, évidemment, il produit un espace polysémique. Il produit la possibilité d'un seul coup d'être outrepassé, puisqu'il est une forme qui apparaît sur la page parmi l'ensemble des formes. C'est pas pour rien, par ailleurs, que certains de ces signes de ponctuation, vous l'avez noté, étaient figuratifs. Le petit soleil, la petite lune, etc. C'est que les signes peuvent jouer dans cette présence d'une certaine ambiguïté potentielle. Le blanc, évidemment, dont les poètes plus tardifs, après Mallarmé, vont user et abuser, va avoir cette vertu-là, d'un seul coup, de donner un autre statut à l'absence d'écriture à un certain endroit, qui peut être toutes les variations chromatiques que vous pouvez imaginer sur le thème de la respiration, de la réflexion, de l'absence, tout ce que vous voulez. Donc le poème le plus connu pour ça, c'est Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard, qui est un texte de Mallarmé qui va être pionnier dans cet art de faire exploser, pas seulement d'ailleurs le blanc, mais aussi certains usages de la capitalisation des lettres. Par exemple, dans Un coup de dé, n'abolira le hasard, la mise en capitale d'un certain nombre de passages de texte permet d'avoir des lectures immédiates et transversales de certains blocs de poèmes qui, d'une certaine manière, sautent à l'avant-plan, au-dessus des autres. Donc, il produit un autre régime de signifiance grâce, d'un seul coup, à la présence formelle de choses qui ont été instituées pour des usages sémantiques. Voilà. Mallarmé, si sensible dans la présentation de ses poèmes, à la répartition des blancs, des marges, et qui disait du vers qu'il était, même en prose, quelque secrète poursuite de la musique dans la réserve du discours. Évidemment, ça n'est qu'une façon de penser, parce qu'elle est analogique et métaphorique. On ne marque pas le silence sur une portée par du blanc. Donc, vous voyez bien que on est dans un espace qui métaphorise la musique, mais qui ne lui prend pas ses usages, qui ne fonctionne pas selon ses usages. Je dirais même qu'en musique, au contraire, on va produire toute une série de signes aussi riches et aussi foisonnantes pour parler du silence, pour évoquer le silence, pour marquer le silence, que les signes de tonalité, d'écriture, de la hauteur. Ah ben d'ailleurs, il le dit dans le texte après. Or, que trouve-t-on en musique ? La pause, la demi-pause, le soupir, le demi-soupir, le quart, le huitième de soupir, et par-dessus tout, le point d'orgue, vous voyez comment c'est fait, c'est un gros point avec une belle parenthèse horizontale dessus. Ponctuation majeure, sans compter évidemment tous les signes de ralentissement, d'accélération, d'augmentation, diminution du son. Cette richesse ponctuelle fabuleuse cache elle-même quelque chose de plus important encore. Une conception du texte que nous avons perdue et qui s'est conservée là. On parle en musique de phrase mélodique. La phrase mélodique, c'est une macro-unité qui peut comprendre elle-même plusieurs ensembles mineurs, plusieurs niveaux de chant et d'harmonie pour des instruments ou des voix différentes. Une période musicale, c'est une unité complète d'expression intégrant tout cela. Ben, il en était ainsi pour le texte récité, dans la conception même du discours ancien. On a déjà parlé, je ne sais plus si c'est avec Gabriel pendant les soirées sur Hegel, mais on a déjà parlé de la poésie grecque, de la façon dont la période était le souci central qui articulait mais complètement le discours même à la musique. Et je dirais même la pensée de son articulation sémantique. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, oui, la ponctuation, c'est avant tout grammatical, c'est pas du tout rythmique. Ceci est vrai dans notre ponctuation. Mais il y a aussi un héritage... Oh, merci, c'est gentil. Il y a un héritage, ah oui, j'avais pas pensé à ça, c'est gentil. Un héritage, on pourrait dire, historique de cette pensée-là, quelque part, réside dans notre compréhension de la relation générale qu'on entretient avec le rythme et la ponctuation dans les énoncés, dans les discours, dans le phrasé, dans la poésie. Il y a quelque chose de résiduel de la pensée périodique des Grecs. Alors Agnès m'amène un bouquin. Je peux vous montrer, mais vous n'allez pas voir grand-chose. C'est un bouquin que j'ai écrit en 2012. C'est ça. Il ne voit rien ou pas ?
Ouais, vous verrez pas grand-chose, mais ça s'appelle J'ai jamais mis, c'était un peu... traité de période et d'apnée. Est-ce qu'on peut voir ça? Ah non, on voit pas grand-chose. Hein. Je peux essayer d'agrandir un peu. Attends, je vais vous montrer ça, qui est consacré à cette question. Salut maman. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez un petit peu le bazar. Hop, 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 hop. Allez-vous, ma foutue caméra. Est-ce qu'on la voit là? Elle est là. Essayons d'agrandir un peu ça. Ah oui, mais on n'est pas à l'avant-plan, donc ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut le voir là? Hop là. Alors, c'est un peu bizarre, mais bon. Alors, vous montez le bazar. Et vous allez voir que... Oui, il peut rester quelque chose de résiduel aussi dans certaines tentatives contemporaines. Ce traité donc de période et d'apnée, si la lumière ne crame pas trop ça. Est une tentative de rendre visible sur le papier les usages de la ponctuation chez un grand nombre d'auteurs et d'autrices. Donc vous voyez là une page dont j'ai gommé l'intégralité du texte, sauf les signes de ponctuation qui sont placés à l'endroit précis où ils se trouvent dans l'édition en question. Donc ça parle tout autant des régimes d'écriture des différents auteurs et autrices cités que du monde éditorial qui compose les pages et a une certaine pensée de ces pages et la façon de les mettre en forme selon qu'il s'agisse de fiction, de théâtre et de poésie. Voilà, je sais pas si on voit grand chose. Un petit peu. Voilà, la mise au point ne se fait pas. J'en suis désolé, c'est parce que j'ai pas dû foutre la mise au point automatique. Est-ce qu'on peut faire ça? Ce serait bien. Ouais, c'est ça. Faisons ça. Hop. Alors, on continue. Là, peut-être qu'il va faire la mise au point. Voilà. Et j'ai choisi ça, la série des textes, vraiment en fonction aussi d'une certaine idée du luxe qu'on se représente de telle ou telle forme d'écriture, qu'il s'agisse de théâtre, de poésie ou des récits, où l'empagement va changer. C'est-à-dire, selon qu'on écrive, qu'on présente du théâtre ou du récit, on a une certaine idée de l'utilité de l'empagement. C'est à la fois de sa fonction, on pourrait dire presque somptuaire, c'est-à-dire que l'empagement, si vous voyez ce qu'on appelle le blanc tournant, par exemple, c'est la taille des marges tout autour, c'est aussi un choix éthique dans une certaine relation au texte. Un regard qu'on porte sur les formes d'autorité qui s'y déploient. Par exemple, en poésie, sacrifier la page au profit du blanc, c'est dire quelque chose aussi de la forme du luxe propre à la poésie. Là où, dans l'écriture savante, on aura tendance à accentuer le contraire. Donc le bouquin, ce traité, là, qu'on n'a jamais republié depuis 2012, mais on devrait le faire, qui présente des plans en couple, on regarde chaque page d'un poumon qui souffre de difficultés respiratoires. Donc vous avez des textes de Bergman, de Camus, de Beckett, de Gelderod, de Gatti, de Pirandello, de Sade, de Bernard Shaw, de Strindberg, de Corneille, etc., etc. Donc évidemment, beaucoup et surtout du théâtre, c'est-à-dire des textes destinés à l'oralisation. Nous avons sur ces questions peu d'éléments avant le XVIIIe siècle, où nous parvenons à présent, car le précédent nous a un peu apporté. Pardon, nous a peu apporté, excusez-moi. Au XVIIIe siècle, les grands grammairiens encyclopédistes commencent à s'intéresser beaucoup à la ponctuation. Parce qu'on écrit de plus en plus. Et surtout, les manuscrits sont en nette régression. Les imprimés envahissent tout. Et la production de livres atteint un stade quasi industriel, qui pose à tous des problèmes urgents de standardisation. Il y a une explosion des formes d'écriture imprimée, parce qu'il va y avoir aussi une explosion du territoire éditorial, et même socialement.
Il y a un héritage, des formes journalistiques qui va d'un seul coup produire des formes feuilletonnées, populaires, sur toutes sortes de fascicules d'une autre nature. Il y a vraiment une prolifération des propositions éditoriales. On écrit et lit très copieusement. En parlant de la musique, les compositeurs ont besoin de certitude. Alors là, je pense qu'il parle plutôt, non, quand il dit compositeur, il parle de ceux qui composent les pages, la composition de pages. Les compositeurs, parce que comme il était dans la musique dans le texte précédent, mon esprit a gardé un petit bout du chapitre, mais à mon avis, c'est pas ça dont il parle. Les compositeurs ont besoin de certitude. De même qu'à partir du XVIIe siècle, il devient bien difficile de résister aux normes et d'avoir son orthographe personnel. Notamment parce qu'à partir du XVIIe, il y a des gros désirs de réforme de ce point de vue. Je crois qu'on a déjà parlé du rêve d'idéalité de Port-Royal sur la chaîne avec Gabriel à plusieurs reprises. Au XVIIIe commence, entre les auteurs et les imprimeurs, une sorte de lutte sourde, et qui est loin d'être terminée, pour savoir qui a le droit de décider de la ponctuation. Alors là, si vous vous référez au manuel orthotypographique de Jacques Drillon, dont je vous ai parlé, et vraiment, je vous encourage à vous encombrer du Drillon, c'est un manuel passionnant, et puisqu'on parlait des usages du point-virgule, peu de bouquins vous mettront, je dirais, à la fois au clair et au désordre, parce que Drillon est précis sur les usages du point-virgule, mais il est aussi très précis pour vous montrer l'étendue de ces transformations. Donc à la fois, vous en savez plus, mais vous en savez trop. C'est peut-être pas une bonne idée, en fait, cette mise au point automatique, puisque du coup, cette caméra n'arrête pas de sautiller pour faire le point, et je ne vous cache pas que ça m'exaspère. Donc je vais virer ce que j'avais mis. Je suis désolé. Voilà, ça suffit, tu m'énerves. Non mais oh. Donc, les manuels d'imprimerie vont se succéder. Ils légifèrent, tant bien que mal, multipliant les consignes et les réglementations de détail, sans prétendre donner aux ouvriers autre chose que des ordres de marche. On dit d'ailleurs une marche, pour parler de la façon dont se conduit une certaine façon de régimenter l'orthotypographie, la composition dans tel ou tel cadre éditorial. C'est quoi la marche ? Effectivement, les manuels ne vont pas cesser de se multiplier, et même aujourd'hui encore, on se demande lequel fait mieux autorité. Alors, on se réfère souvent au manuel de l'IEN, de l'Imprimerie Nationale, mais après, on fait des choix. Est-ce que c'est Thibaudot, c'est Péroudin, est-ce que c'est Tschichold, voilà, il y a plein de manuels historiques de grande qualité qui ont tous leurs vertus, et ils sont tous assez prescriptifs pour ce qui est de l'orthotypographie, au point que leurs contradictions entre eux font souvent perdre la tête à qui ? Aux auteurs et aux autrices eux-mêmes qui se demandent à quoi se référer. Et c'est bien pour ça que le Drillon est aussi utile par ailleurs. De leur côté, les maîtres de rhétorique, donc ce sont des collèges de jésuites en premier lieu, les professeurs de droit qui apprennent l'art oratoire aux avocats, les grammairiens, les écrivains, etc., se défendent contre la véritable perte d'héritage linguistique que ça représente pour eux, avec bec et ongles. Alors, il y a deux conceptions qui vont s'affronter. Pour l'une, celle des typographes, la ponctuation n'a affaire que à la présentation de l'écrit, Donc leur conception du texte est en quelque sorte unilatérale, elle est à un seul niveau syntagmatique. Ils sont sourds et tout le sens pour eux se distribue sur la page. D'où une tendance à une démarche fondée sur la logique, sur les règles. On met une virgule ici, un point ici, une majuscule là, ta. Mais pour ceux dont la parole, c'est le métier, il n'y aura pas de même, c'est le sens, c'est l'expressivité qui est là à chaque instant et qui doit régler la langue et le style. Et il ne faut pas croire que quand on va vers des écritures dont le but supposé est de gommer au maximum l'individualité et la singularité, donc les manuels eux-mêmes, manuels de droit, etc., en fait, il règne aussi des marches d'expressivité propre qui sont à chaque fois d'un ordre particulier correspondant à tel corps de métier, etc. Donc l'expressivité ne disparaît pas. Je dirais qu'elle ne disparaît même pas de ce qu'on appelle la littérature grise qui a sa propre expressivité, son propre régime d'expressivité. Les grammairiens philosophes prennent donc la plume et s'expriment vigoureusement, au moins pour trois raisons.
procéder à une analyse nécessaire des rapports nouveaux de l'oral et de l'écrit. Ça, c'est une vieille ancienne qui est indémêlable. Enfin, évidemment que ce sont, je dirais, des projets d'énonciation différents. Mais évidemment que d'une certaine manière, ils sont tributaires l'un de l'autre. Alors, on voit très bien dans quel sens l'un est tributaire de l'autre. C'est qu'on se berce de l'illusion que l'écrit, c'est une mise sous forme de signes graphiques de l'oral, ce qui est faux, même si on peut le faire. C'est globalement une idée fausse. Et dans l'autre sens, comment ça marche? Ben, ça marche parce que si vous vous en référez, par exemple, à ce qu'est un dictionnaire, vous y noterez que le dictionnaire, pour étayer sa force distinctive, est pétri d'exemples littéraires. Ça peut vous sembler sensé, mais en vérité, est-ce que ça l'est? Sauf que, à partir du moment où le dictionnaire construit cette espèce d'outillage idéologique qui fait de la littérature la matrice du sens des énoncés, alors ça a des effets, évidemment, sur ceci. Donc c'est pas unilatéral, en fait, cette espèce de subordination. Un typographe est aussi appelé un tagueur. Excellent. What an incredible calembour. Alors, ces grammairiens donc s'expriment au moins pour trois raisons. Procéder à une analyse nécessaire des rapports nouveaux de l'oral et de l'écrit. Se défendre contre les nouveaux usages qu'on leur impose et qu'ils jugent aberrants. Et enfin, donner leurs conseils et leur mise en garde aux meilleurs imprimeurs qui sont preneurs, on va dire. Bon. On va voir alors s'instaurer sans doute la meilleure et la plus complète description de ce qu'est la ponctuation. Et jamais par la suite on fera mieux pour une bonne raison. Avec le triomphe omniprésent des techniques industrielles du livre au 19e, il n'y a plus aucun grammairien qui élève la voix. Au contraire, c'est à qui s'alignera au plus près, comme en orthographe, sur les exigences impériales des gens du livre. Le dernier domaine du code où régnait un peu de liberté est investi. Mais on va voir que ce combat est loin d'être fini. Quelle était donc cette conception du texte au XVIIIe siècle? Il s'agissait, comme en musique, d'une conception totaliste. La période oratoire se continue tant que le sens n'est pas épuisé. La période est donc une unité de sens. Donc l'unité de base, ce n'est pas la phrase, hein, qui dans son usage actuel est un concept qui n'existe pas encore au XVIIIe, mais pour la moins, c'est le paragraphe, parce qu'on va à la ligne précisément quand on passe à autre chose. Ouais, c'est une conception du sens inscrit complètement différente. Et aussi des normes conceptuelles, finalement, qui sont différentes. C'est donc à l'échelle du paragraphe, véritable phrase mélodique, que les coupes, les pauses, les soupirs, les mesures, si vous voulez, se distribuent. Il s'agit là essentiellement de rythme et d'expression, d'art, donc pas de cette logique grammaticale dont on parlait. Eux, ils appellent cet ensemble l'unité de pensée totale. Tout ce qui est à l'intérieur n'est que partiel. Il n'est qu'une partie de cette unité totale qui s'articule entre elles. Il est nécessaire de distribuer l'économie des signes internes selon leur juste proportion pour donner l'idée au lecteur de rester en suspens ou d'attendre encore. Des phrases non, des propositions plutôt, elles-mêmes intégrées les unes aux autres. Pas une pensée en phrase, mais en proposition. L'importance de la lecture orale des textes doit encore une fois être soulignée. Non seulement les signes de ponctuation sont de véritables indications de scène, arrêt, mise en valeur, avec toutes les nuances stylistiques voulues par l'auteur, mais on en met très peu, puisqu'en fait elles suivent la respiration. Donc on est très loin de la conception grammaticale et sémantique qui est la nôtre aujourd'hui. On croirait entendre des chanteurs d'opéra, donc nécessité de respirer là, besoin des poumons ici, besoin de l'organe, reprendre haleine, faire de nouveau des provisions d'air, c'est dans les manuels. Hein. Donc l'homme et son souffle sont là, partout dans ces manuels-là. Si on veut poursuivre encore la comparaison architecturale, si vous voulez, par rapport à tout à l'heure, on pourrait dire que le XVIIIe siècle,
est sorti de sa solitude de chercheur de fond pour rencontrer l'autre. Le texte, alors solitude de chercheur de fond, on en revient hein, à la, aux premières propositions depuis la bibliothèque d'Alexandrie, dans, du rôle à ce moment-là de la ponctuation. Et là, on est vraiment dans une socialisation, mais qui passe par la vocalisation, par l'oralisation. Et c'est dans cet espace de rencontre que se justifie la codification, la construction d'une marche particulière, etc. On n'est plus dans ce repliement savant de la nécessité de s'y retrouver. Le texte est devenu un lieu de vie, ponctué et conçu comme un tout, où chacun se retrouve, celui qui s'exprime et celui qui écoute. N'oublions pas que toute cette expérience communicative, elle est venue de quoi ? Elle est venue des prêches. Des rencontres dominicales, des orateurs, sacrés ou profanes, des lectures publiques, des académies et des salons. On écrit pour parler, et on parle avec ce qu'on a écrit. Jamais, sans doute, une telle harmonie n'a régné entre les deux voies qu'a emprunté l'homme civilisé pour s'exprimer et pour communiquer. La période dont on parle distribue donc ses unités par une structure, d'abord ascendante, puis descendante. La première partie se termine par un sommet, un point d'orgue, un acmé, l'acmé de cette période, qu'on marque alors par un double point. La seconde partie ménage habilement sa chute, qui est marquée en finale par un signe qui avait la forme à l'époque de notre actuel point-virgule et qu'on appelait le périodous. Il s'agissait, depuis la création des signes, du point grec à valeur maximale, et c'est pourquoi on le trouve encore au XVIIIe siècle, suivi de quoi ? D'une majuscule. Alors qu'aujourd'hui, notre point-virgule n'est pas suivi d'une majuscule. Cette montée, qu'on appelait une protase, hein, autant que sa descente, qu'on appelait l'apodose, pouvait à leur tour comprendre plusieurs parties séparées par des virgules ou des deux points qui avaient la valeur de virgule renforcée. C'est plus du tout leur valeur aujourd'hui. Par la suite, c'est le point final qui va remplacer le périodus et sous forme de point-virgule, il réapparaîtra en tant que ponctuation moyenne plus tard. On voit bien aussi qu'on crée un lieu de référence, quoi vous pouvez entendre finalement comme un soubassement de cette relation de l'oral et de l'écrit, et qui pose toutes sortes de problèmes intellectuels pour être résolu, pour être compris. C'est la place centrale de la rhétorique. C'est un héritage, c'est pas inventé à ce moment-là, mais vous voyez bien que là, dans la construction de l'idée du discours, c'est central. La rhétorique, c'est pas une invention, évidemment, du XVIIIe siècle, c'est une invention antique. Mais assez fondamentale, je dirais, dans la pensée du sens, notamment chez les Romains. Alors pourquoi et comment avons-nous perdu cette conception originale du texte pour nous perdre dans le détail atomique de la phrase ? Communauté. Alors on peut dire que ça s'est largement renforcé quand le langage est devenu lui-même l'objet d'une analyse avec la linguistique. Là, on peut dire que ça a radicalisé cette relation. Vous pouvez l'imaginer. Donc pourquoi avons-nous perdu cette conception ? Pour nous perdre dans le détail atomique des phrases, parties dispersées et composites, comprises comme des unités formelles, commençant par une majuscule et se terminant par un point. Comment c'est arrivé ? Nécessité technique ? Effacement de la lecture orale, c'est bien possible. Démission des poètes devant la prose et du créateur devant le praticien. Ouais, bon. Difficile de répondre à une telle question, mais bon, on va essayer. Si on voulait rapprocher notre siècle de ses sources, du siècle des Lumières, on pourrait dire qu'entre Rousseau, qui est des déclamateurs, lui, hein, et Voltaire, le phraseur, c'est de ce dernier que nous nous réclamons nommément. Plutôt Voltaire que Rousseau. Ce que nous aimons dans Rousseau et qui est refoulé par l'éducation qu'on nous donne, c'est l'espèce de poète paysan, porteur de rêveries solitaires, musicien dans l'âme, hein, imprégné de toute la nostalgie de l'ancienne civilisation terrienne qui transparaît par ailleurs dans son style. Et ce qu'on apprécie chez Voltaire, c'est, on pourrait dire, c'est l'organe de la raison résonante, c'est sa façon sèche, incisive, critique de dérouler ses pensées, qui atteignent non le cœur, mais qui sont censées atteindre l'esprit. On compare. On va avoir un peu de Rousseau et un peu de Voltaire, comme ça on va pouvoir comparer deux textes. On commence par Rousseau. On va
s'attacher, ça va être un exercice un peu compliqué, parce qu'on va essayer à la fois de voir de quoi il cause, mais voir comment ça prend forme, justement, dans l'articulation, et notamment dans la ponctuation qu'il se donne. L'exercice que j'avais fait dans la matinée et la bonne humeur qui en est inséparable me rendait le repos du dîner très agréable, point virgule. Mais quand il se prolongeait trop, virgule, et que le beau temps m'invitait, virgule, je ne pouvais si longtemps attendre, virgule. Et pendant qu'on était encore à table, je m'esquivais et j'allais me jeter seul dans un bateau que je conduisais au milieu du lac quand l'eau était calme, point virgule. Et là, voilà, suivent 8 autres lignes avant le point, voilà, qui est d'ailleurs pas, pour proprement parler, un point final dans ce texte-là. Donc on voit ici l'intérêt du point virgule, dont on ne distingue plus l'utilité et dont on se sert plus guère là. Là, il a vraiment des rapports de points. Ponctuation forte, un peu. Ça. Voltaire, maintenant. Les choses dont il est parlé sont très vraies et très singulières, point. Le rat s'imagina qu'elle pourrait amuser l'aigle, point. S'il se trompe, virgule, on peut lui pardonner, virgule, car, virgule, dans le fond, virgule, il n'avait que de bonnes intentions, point, virgule. Et là, on a une conception moderne, point, virgule, puisque ensuite, c'est « il ne voyait pas la vérité avec un coup d'œil d'aigle, point, virgule, mais il l'aimait tant qu'il pouvait ». On est à deux doigts d'un usage, virgule, pour la dernière partie. Mais on voit quand même l'intérêt d'avoir isolé cette phrase, pour lui donner la force d'une ponctuation sémantique, presque explicative. On voit que l'auteur emploie encore, malgré la différence de style, des points-virgules. Ils ont beaucoup diminué depuis, car pour bien les placer, il faut avoir en tête tout le texte, ce que l'on ne peut demander à un compositeur ou même à une secrétaire. Il y a trop d'intermédiaires à présent pour ces finesses individuelles. C'est-à-dire, on peut aussi dire que, même d'un point de vue mnémonique, quoi, les articulations de Rousseau, elles se déduisent pratiquement d'une espèce de souffle de son lyrisme propre, et que c'est carrément rétablissable, comme on le ferait d'un poème, étroitement associé à celui-ci. Et maintenant, me direz-vous, où en sommes-nous ? Ben, ça va pas si mal, je crois que le pire est passé. Au 19e siècle, pardon, on avait carrément tout oublié des grandes libertés du siècle précédent. Les manuels continuent à ronronner, les imprimeurs à imprimer, réimprimer, car rappelons-nous que l'oubli est venu de là, je m'explique. On a refait les textes, et ce qui en a le plus souffert, c'est quoi ? C'est évidemment la ponctuation. Pour prendre l'exemple de Racine, sur lequel des travaux importants de comparaison avec les éditions originales ont été faits, on s'est aperçu qu'on avait littéralement bâillonné, camisolé dans des bandelettes de signes superflus, conformes aux bonnes mœurs napoléoniennes. C'est comme si, sur son style si pur, on avait jeté une bonne tonne de textes administratifs. Par pleine pelletée, on l'a verrouillé de virgules, de points, et évidemment de tirets, de guillemets, de parenthèses, dont il n'avait que faire, on en a fait un asthmatique. C'est assez marrant de lire plusieurs éditions de suite, à l'aune uniquement de la façon dont ils ont été ponctués par les imprimeurs et les éditeurs. Il y a un très beau texte de Michel Bachet qui s'appelle « Ramage dans une allée », dans lequel il explore les versions successives d'un petit extrait du Père Goriot de Balzac, et il montre les effets sémantiques que ça a évidemment sur ces, sur ces différentes éditions, mais surtout ce qu'il montre, hein, c'est comment, d'une certaine façon, les choix typographiques d'éditeurs masquent les mouvements de fond qui animent l'écriture balzacienne à ce moment-là, et qui ont parfois pas grand-chose à voir avec la sémantique, mais vraiment un élan, et Vachet montrera d'ailleurs que cet élan n'est pas forcément dirigé vers le texte, mais vers le fait d'écrire même. C'est-à-dire un rythme implicite d'un texte, qui est le produit même des conditions d'écriture de ce texte, et pas de ce qu'il est en train de signifier. Pour les auteurs du XIXe siècle, ça n'a pas été sans lutte. Nous possédons de savoureuses correspondances entre Hugo, Vigny, etc., et leurs éditeurs. Georges Sand prend vigoureusement la cause des écrivains, ses collègues, contre les manuels et contre les normes. On lit ça dans « Impressions et souvenirs », elle écrit ça. Quand elle parle de Michelet, de Blanc, de Thiers, Dumas, Lamennais, elle souligne, j'ouvre les guillemets, « la ponctuation a sa philosophie comme le style. Je ne dis pas comme la langue. Le style est la langue bien comprise. La ponctuation
et le style bien compris. Je prétends qu'elle doit être plus élastique et n'avoir pas de règles absolues. La ponctuation est encore plus l'homme que le style. À quoi les rédacteurs imprimeurs répondent sèchement, dans le journal de l'imprimerie, « Nous regrettons d'avoir à critiquer les vues, tant soit peu fantaisistes, de la grande prosatrice, mais c'est pour nous un devoir. La ponctuation a une part trop importante à la clarté de notre langue, comme de toutes les langues d'ailleurs, virgule, pour l'abandonner aux caprices des écrivains qui, virgule, pour la plupart, virgule, n'y entendent pas grand-chose. Point. » Ces choses ont toujours assez vrai, je dirais. Il y a encore leur part de vérité dans les discussions contemporaines, des relations que les typographes entretiennent avec, avec l'écriture littéraire. J'ai été pendant de nombreuses années inscrit à une liste de diffusion typographique absolument passionnante, celle de l'IRISA, qui existe encore par ailleurs, mais qui est bon, presque éteinte, qui était si animée qu'elle a fait l'objet de plusieurs publications, des conversations qui s'y déroulaient. J'ai eu le bonheur d'y participer. Et ces conversations entre typographes sur l'orthotypographie et la mise en forme des textes englobaient souvent leur exaspération de l'incompréhension totale des écrivains du fonctionnement de leur ponctuation. C'était parfois très justifié, parce que oui, beaucoup d'écrivains et d'écrivaines sont des feignasses totales qui s'imaginent que parce qu'ils sont écrivains et écrivaines, ils n'ont pas à se soucier de ce genre de pacotille, ils font bien comme ils veulent. Non. C'est pas si simple. On peut produire le contraire des effets qu'on souhaite quand on dirige mal sa barque à l'intérieur de l'orthotypographie française. Il y a des moments où les écrivains ont un peu une petite tendance à confondre la liberté de l'artiste avec son incompétence crasseuse. Voilà. Et par ailleurs, le contraire est également vrai. Les typographes, parfois, se mêlent de ce qui ne les regarde pas et s'imaginent qu'on va perdre quelque chose d'un seul coup, un usage subtil et contourneur et joueur de l'orthographe et de la ponctuation, pardon, là où eux, ils voient juste une erreur d'usage, etc. Donc cette guerre-là, elle est loin d'être achevable, je dirais, quoi. Suite à un développement sur la métaphysique du langage qui régit tous les idiomes et pour laquelle il faut se reposer sur les hommes du métier, les correcteurs. Bon, Larousse est plus nuancé, lui. Il admet que Michelet, par exemple, use de la virgule deux fois plus que tout autre, sépare le substantif de son épithète par une virgule afin de lui donner plus de force, hache ses phrases menues ou les construit d'un bloc, tatati tatata. Bon, ces discussions, le dit l'auteur, comme moi-même, hein, n'ont pas cessé. Et il y a peu de chances qu'elles cessent. Alors évidemment, si elles cessent, ça pourrait être par défaut, tout simplement parce que les correcteurs disparaissent. Ce qui est dommage, hein, au sens où ça m'arrive assez souvent aujourd'hui de lire des bouquins truffés de conneries. Et notamment, on sent aussi que la question de la ponctuation est traitée par-dessus la guibole, parce qu'il manque des équipes, quoi. Les éditeurs rognent sur tout, et notamment sur cet aspect-là de la compo. Alors, ça fait de la bande dessinouille et ça ose venir critiquer. Quand les écrivains sont des feignasses, ça va aller, oui. Mais ça fait de la bande dessinouille. Il ne faut pas me cloisonner comme ça, Suze. Je te rappelle que d'une part, je continue à avoir une activité d'écriture intense, je veux dire, un bouquin sur deux chez moi, un livre de texte. Que le plus gros de mon travail d'écriture pendant les années précédentes a été avant tout théorique, et le théoricien est aussi un écrivain. Et je te rappelle aussi que ma carrière a commencé comme écrivain. Enfin, j'ai pas fait de bande dessinée pendant 20 ans, à la place je faisais des revues littéraires avec d'autres copains écrivains, mais ça continue. Donc c'est pas comme si ce territoire, je n'y foutais pas les pieds, il est le mien aussi, aussi légitimement que celui des bandes dessinées, madame. Non mais oh. Ah là là, cette façon de m'essentialiser, l'auteur de bande dessinée, ça marche pas du tout comme ça. Quelle honte. Bon, mais soyons pas trop méchants avec nos amis les gens du livre. Ces discussions sont normales, ils ont effectivement pris une grande part à ce qui est devenu notre usage actuel des signes, et la clarté qu'ils apportent n'est pas un vain mot, quand même. Bon, prenons par exemple le roman. Longue et riche histoire du prototype de notre expression littéraire moderne, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire. Elle a entraîné toute une série d'adaptations graphiques, typographiques et, naturellement, de ponctuations.
plusieurs personnages, plusieurs plans s'y répondent. Il y a ceux de l'histoire, il y a le narrateur, et à l'intérieur, il y en a même d'autres plans qui se combinent. L'énonciation croisée de tous ces plans entraînerait, sans la ponctuation, une grande confusion. D'où l'invention de signes pratiquement inconnus jusque-là, qu'on a appelés des signes de distanciation. Surtout les points du dialogue, donc deux points, tirer, ouvrir les guillemets, fermer les guillemets, point de suspension, etc. Ces usages discrets répondent eux-mêmes aux autres, ceux de la mise en page. Le texte est ainsi superbement mis en valeur avec l'apport des titres, des marges, des blancs, des majuscules, de l'italique, etc. C'est un vrai travail d'artiste qui à la fois permet et soutient les prouesses parfois complexes du créateur. Alors, un des arguments entendus contre l'usage d'écrivaine, c'était l'ajout du mot veine. Ça n'a pas de sens, Lucie. C'est vrai que ça a été comme si vin n'était pas dans l'écrivain, par exemple. Ça n'a aucun sens. Je ne savais pas, je ne l'ai jamais entendu. Bon. Moi, ça me va, écrivaine. Hein. Enfin, je ne vois pas trop le problème. Quelque chose d'autre aurait été proposé. Par contre, je me refuse à auteureux. Je ne vois pas le sens. Bon, autrice, pour moi, ça me semble quand même plus cohérent à notre façon de construire des féminins en français. Je ne vois pas d'où on a été pêché, ce auteureux. Je ne comprends pas. Donc, ça reste autrice, pour moi. Voilà. Mais écrivaine, oui, comment ça rime avec veine, d'accord, c'est complètement con. Alors, oui, bon. Les nouvelles techniques ajoutent encore, sans rien enlever, à cette fastueuse symphonie des signes. Ainsi, nos écrivains sont-ils, dans l'ensemble, satisfaits, ce qui est assez rare pour être souligné. Ils en redemanderaient presque. La virgule m'est très familière, point virgule, je l'aime, point virgule, elle est, virgule, au mot, virgule, au cœur d'une phrase, virgule, comme un écrin. C'est une phrase de Marquet qui aurait mieux fait de rester au lit ce jour-là parce qu'elle est quand même assez tarte. La ponctuation est aussi indispensable, ouvrez la parenthèse, et spontanée, fermez la parenthèse, que la respiration. Ah, la parenthèse, quelle merveille cette chose. Il est vrai que beaucoup de gens ne savent pas respirer, dit Cesbron. Référence littéraire médiocre encore, Cesbron au secours. Certains parlent, il est vrai, de systèmes répressifs sournois qui prétendent mettre de l'ordre, un ordre fait, dans l'espace d'une liberté. Ça, c'est zéro. Chaque écrivain anime cet autre espace qui lui est donné, la page blanche, d'un souffle tout à fait singulier, intime, le sien. Les propositions moutonnent, déferlent, s'abattent comme des vagues sur un rivage. Et c'est la même phrase, forte, puissante, la même marée qui les porte. Bon, on va pas s'étendre sur ce lyrisme un petit peu grotesque, qui porte en lui, en plus, l'image assez redoutable et inutile de la page blanche. Comment tu dis, My Name in Meto, c'est pas de veine que ça fasse cette rime, même si, comme dit Laurent, ça semble être un argument solide. Mais c'est surtout qu'il est aussi dans écrivain. Donc voilà l'aberration la plus forte pour moi. Je ne comprends pas. Bon. Comme on le voit, on est plus près ici de l'ancienne tradition orale du 18e siècle que de la lecture maître du 19e. C'est vrai que les arguments apportés ont d'un seul coup une espèce de saveur assez périodique, on va dire. Mais c'est pas très étonnant. Enfin, vous noterez encore aujourd'hui que quand les écrivains et écrivaines parlent de leurs bouquins en termes structurels, leur façon d'en parler emprunte infiniment plus à une vision rythmique, donc qui vient du monde du poème et de la période, presque organique, pulmonaire, qu'à la linguistique, qui sont rarement leurs références. Par exemple. Rien, absolument rien, ne peut s'opposer à l'expression libre de l'homme, même si elle s'enrichit des limites qu'elle s'est elle-même imposées. Je dirais même que sans ces limites, la question même ne pourrait pas se poser. On est d'accord. On ne peut pas ôter tout ce que l'écart doit à la norme pour être un écart, et aussi tout ce que la norme doit à l'écart pour s'imposer comme une référence, sous peine de n'être que le flux indistinct des possibilités infinies. Donc. Nous avons ainsi hérité successivement de toutes les strates de l'histoire, de toutes les sources scientifiques, musicales, démonstratives, logiques, sémantiques, syntaxiques, de la ponctuation. Pictogrammes à la fois arbitraires et nécessaires, discrets et suprasegmentaux, ils sont à la fois très loin et très près de la parole vive, non pas seulement par l'interrogation, l'exclamation, etc.,
mais par le rythme même qui suit celui de la pensée et donc du langage humain. Voilà, pictogramme à la fois arbitraire et nécessaire, discret et suprasegmentaux, donc discret qui organise le sens en unité, suprasegmentaux, c'est tout ce qui fait signification en dehors de la langue elle-même, c'est-à-dire les parties du langage qui sont signifiantes. Le haussement d'épaule, par exemple, c'est un signe suprasegmental qui participe de la signification, mais qui n'est pas impliqué dans la construction linguistique. Voilà. Ils sont à la fois très loin et très près de la parole vive, hein, non pas seulement par l'interrogation, l'exclamation, etc., mais par leur rythme même qui suit celui de la pensée et donc du langage humain. Bon, là-dessus, je ne peux pas le suivre, car le rythme de la pensée, nous ne le connaissons pas. C'est-à-dire, nous ne savons pas ce qui pense quand on pense. On peut juste dire que penser excède la pensée. Et qu'à partir de là, quand nous parlons de la pensée, nous avons déjà soustrait de penser l'hypothèse de sa durée propre, qui n'est pas une durée réarticulable par la construction linguistique, à moins d'abuser fortement de métaphores. Et rythme du langage humain, c'est compliqué pour moi à entendre, car pour moi, rythme et langue sont deux choses différentes. Il y a des rythmes dans les langues. Ça, on l'a déjà écouté ensemble, je crois, les incroyables constructions de Lucie, qui fait saillir, ça, qui le rend extrêmement perceptible. Mais le langage est une activité. Et celui qui s'y énonce, c'est-à-dire le sujet qui parle, s'y énonce rythmiquement, mais le rythme en question, c'est le sujet qu'il est. Dans un sens des mots chrétiens, méchonicien, si vous voulez, mais de ce point de vue-là, on peut difficilement parler d'un rythme du langage. Il y a des rythmes des sujets. On pourrait peut-être parler des rythmicités implicites d'une langue, qui d'une certaine manière les régule, en tout cas, ne les norme pas forcément, mais au minimum les engage, les contraint, les font circuler, les organise, si vous voulez. Alors c'est quoi les jeux de mots pourris? C'est une peine, le flux indistinct de possibilités infinies. Pourquoi une peine, hein? Non, c'est pas une peine. Quelle bourde, quelle mouche t'a piqué? Qu'est-ce que vous racontez comme conneries encore? Je vois que j'ai raté des trucs. Alors, ça rime aussi avec veine, hein, écrit dans le sang qui coule dans mes veines. Oh non, ne dis pas ça à Suze. Ben voilà, on m'en parle pas malheureux, évidemment. Je m'attendais à celle-là. Et je dis que c'était une peine. Non, pas du tout. Je ne crois pas. C'est pas une peine, mais du coup, si la règle est strictement superposable, alors il n'y a pas de règle. Il lui faut les écarts juste pour se signifier comme règle. Voilà. Sinon, elle n'est pas différente du flux indistinct. Alors, nous avons fini ce texte qui était pas mal quand même. Moi, je trouve, hein, c'était assez chouette. C'était un texte qui, d'ailleurs. Alors, parmi les rédacteurs réguliers, il y avait Henri-Pierre Jeudy qui nous dit, là, c'est un certain Pierre Dumayet, D-U-M-A-Y-E-T. Ah non, ça, c'est examen de conscience, c'est des conneries. Non, c'était Nina Katash, que je ne connais pas non plus. Donc il y a plein de rédacteurs et de rédactrices que je ne connais pas. C'était Nina Katash, et c'était pas mal. Hein. Voilà. Et certes, il est tôt, mais je vous avais dit, de toute façon, on ne fait pas le live avec Gaël, donc je ne vous laisse pas complètement abandonner sans proposition ce soir, mais je ne pensais pas faire quelque chose de long. Et comme j'ai été chercher le bouquin au hasard, j'ai pris un vieux souvenir en route et je ne peux pas garantir que les autres textes soient vraiment intéressants. Voilà. Donc si on se balance dans un texte comme ça et qu'on s'emmerde, ça déjà, on l'a frôlé tout à l'heure quand même. Donc j'ai pas envie qu'on se lance dans un texte et qu'on se rende compte en pleine lecture que c'est tout à fait ennuyeux. Donc on va pas faire ça. Voilà. Tu te disais que c'était la règle qui était pénible. Mais je crois pas. Je crois pas parce que... Enfin, elle est pénible. Comment on pourrait dire ça autrement? J'ai parlé de la... On va dire ça. Ça permet une lecture anthropologique différente. Et on pourrait dire que c'est un choix, un coup de force politique qui fait choisir l'une ou l'autre.
qui fait décider que on pense le grand corps anthropologique, là, l'immense flot des corps, on le pense par sa norme et sa moyenne, et on considère que ce qui la caractérise, c'est ce qui serait le plus partagé, donc la recherche des dénominateurs communs, ou on le pense par ses écarts, à savoir que ce qui fait saillir la possibilité anthropologique, c'est la singularité qui s'exprime comme écart fondamental d'un rêve inatteignable d'unité. Et c'est des questions qu'on peut se poser aussi devant des choses comme la rhétorique, par exemple. Quand j'ai évoqué tout à l'heure la question de la rhétorique, c'est une question extrêmement problématique, parce que ce qu'est la rhétorique fonctionne sur une aporie. Quand vous commencez à imaginer un gradus de rhétorique, vous commencez à sérier toutes les formes des rhétoriques, tous les tropes, toutes les figures qui composent ça, vous le faites dans une relation à une norme inexistante. Parce que pour que ça fonctionne, il faut supposer que nous sommes en train, dans un dispositif rhétorique avec ces tropes, avec ces figures, nous sommes en train d'offrir l'opportunité à un corps qui serait langue naturelle sans rhétorique, la possibilité de s'en enrichir pour s'améliorer ou pour se constituer dans des spécialités. Or, ce corps est inatteignable. Un corps sans rhétorique, sans tropes, ça n'a aucun sens, il n'existe pas. Ce qui fait que l'idée même de rhétorique se réfère inlassablement à une norme inexistante. Et je pourrais dire que ce que je disais de l'écart et de la règle, de l'écart et de la norme, tient dans cette espèce de tension impossible entre l'advention de singularité qui est porteuse d'une espèce de référence possible à l'objet dont on parle, plus que n'importe quoi d'autre, mais que pour qu'elle se constitue, il faut se référer à un en-deçà de base, un socle qui n'existe pas, et qui n'a pas de raison d'exister. Alors évidemment, les règles et la norme s'imposent aussi par la coercition. C'est d'autres règles et d'autres normes dont il est question. Ce dont je parlais, c'était évidemment pas de ça. La règle douloureuse à vivre, évidemment, c'est, on va dire, les sommes de contraintes sous lesquelles on prétend donner de la naturalité justement à ce fantasme inexistant qui serait le socle d'une réalité naturelle à préserver, qui évidemment est inventé de toutes pièces, qu'il s'agisse de la loi, des règles sociales, de la morale, etc. En zététique, la règle, c'est la règle, signée la science. La règle, elle est pénible, elle n'arrête pas de faire des traits tout droits. Les règles douloureuses à vivre, c'est tous les mois. Tu sais, celle-là, s'use au moment où je parlais de règles, je me la suis faite. Donc, puisque je me la suis faite intérieurement, je suppose qu'elle n'est pas très bonne. Hein, voilà, mon humilité naturelle me pousse à penser que c'est pas top. Lucie, ne m'en parle pas. Je suis de tout cœur avec vous, même si je ne connais pas cette douleur. Ça a l'air assez compliqué. Alors, on l'a vu dans tes yeux, la blague. Oui, vous l'avez vu, cette blague nulle, mais c'est... Bon, je devais la faire. Moi, je l'ai retenue, je me suis mordu la langue. Parce que je me suis... Alors, peut-être, en plus, pas... Je vais pas la faire, moi. Qu'est-ce que j'en sais, au fond, hein ? À part les copines qui me font part de leur souffrance. Voilà, donc est-ce que on va s'arrêter là de toute façon, parce que moi j'ai rien prévu d'autre. C'est vrai que ça me fait bizarre d'arrêter un live aussi vite, au fond j'ai pas l'habitude, un live de 2h30, oh là 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 là, comme c'est bizarre. Mais je vois pas très bien ce que je vous lirai d'autre, ce qu'on pourrait faire d'autre, donc faut pas m'en vouloir. Là je pense qu'on est bon pour raider. Il n'y a plus que ça à faire. Alors, je m'en vais dormir à point fermé. Bonne soirée à tout le monde. Bonne nuit, my name is Metos. Bonne nuit, Glitch. Qui on pourrait aller voir? Déjà, vous avez une petite idée?
Bah, qu'est-ce qu'il me fait, le truc? Il veut pas marcher. Ah si. Il y a Lanty qui est en live. On peut dire bonjour à Lanty. Il y a Bamwe Pampazu d'Azibi, Diamond, Tita Liuma, Gastronogeeks, Sushi Dragon, Intergalactique. Non, mais ce serait sympa d'aller voir Lanty stream. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'a pas vraiment besoin de moi pour avoir du monde, mais... Bon, lui, il ne m'aurait jamais ce saligo. Mais moi, je vais me faire un plaisir de le raider. Alors, on va faire ça, d'accord? Alors, raid, hop, on va aller voir Lanty stream. Lanty stream, tout le monde est gentil. Vous lui faites des bises de ma part. Et vous êtes sage, vous comportez bien, comme des bons gauchistes que vous êtes. Et moi, je vous dis bonne nuit, à bientôt. On se retrouve jeudi avec les éditions de Tanibis. Mais je ferai une annonce là-dessus. Vous verrez, ça va être cool. Je recevrai l'éditeur de Tanibis. Salut!